Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de vous retrouver pour ce samedi soir tout en beauté sur les Sims. Bah oui, en même temps, c'est normal, je fais beaucoup de Sims. Soir bon à toi aussi, Azerty, Sims Medieval, bonsoir à toi. Linou, bonsoir. Anne, ravie de te revoir. Cléandre, bienvenue. Choupix, Lily Pris, bisous à vous. Bonsoir Mimi, Lee, Katharina, bonsoir à toi. Poupia, des bisous. Je te rétrécis à chaque fois, c'est pas possible. Lucie, bonsoir. Mais Emma, bonsoir. Rebonsoir Anne. Ah oui, c'est à Tony qu'on dit bonsoir. Oui, c'est vrai, bonsoir Tony. C'est vrai que vous pouvez me trouver mal poli parce qu'en fait, je dis jamais bonsoir à Tony. Mais bon, vous savez pourquoi. C'est pas que je l'aime pas, mais c'est que je lui ai déjà dit bonsoir. Aurélie, Team Faucheuse, bonsoir. Yeah! Team Faucheuse, bonsoir à toi. Bonsoir Johanna, Léopold, soir bon. Ah ouais, on le fait dans tous les sens. Ok, c'est pas moué. Mais si on sait que c'est toi, forcément que c'est toi. Azerty, je t'ai déjà vu. Oui, t'étais le premier, c'est vrai. Juju Race, bijour. Bijour. J'aime bien, vous avez tous votre façon à vous de dire bonjour. Coucou Cathy. Ça gaze, on a tous mangé des faillots. Mais. C'était bien trouvé. Ça va aussi. Bah, tant mieux, Jurès. Tant mieux. Nélis, bonsoir. Ça fait bizarre de balancer la commande à son nom. Eh, j'ai pas entendu la commande à Aurélie, moi, c'est quoi? Bah quoi? Bah pourquoi tu te marres? Je l'ai pas entendu, moi. T'es complètement à côté de la pompe. C'est possible. C'est possible, mais c'est comme ça tous les jours avec moi. Bah tant pis, je la saurais pas. Ou je l'ai déjà entendu, mais je m'en rappelle plus. Quel plaisir de vous voir là, Aurélie. Oui, je suis complètement à côté de la pompe. Je la connais par cœur, en plus. C'est celle-là que je préfère. Bonsoir, Anne. Du coup, je sais même plus si je t'ai déjà vu ou pas, mais mère, je te vois tout le temps, donc je suis ravie de te voir. Wesh, comme qui dirait. Wesh à toi, Cassie. Carotine Ali, bonsoir. Ali Souche, bonsoir. Rebonsoir, Mimili. Loulouna Sims, bonsoir à toi. Mimili, c'est abonné niveau 1. Vous voyez ma panique. Non, j'ai pas de ballon. Mais pourquoi mes ballons disparaissent? Saleté de ballons qui veulent plus de moi. Merci pour ton abonnement. Merci beaucoup, bienvenue dans la team je ne sais pas quoi, mais c'était trop bien, c'est une team qui déchire, merci. Cléandre, coucou, je crois que je t'ai déjà dit coucou. Ah mais je renlève mes ballons, j'ai plus envie de ballons, j'aime plus les ballons. Jen, bonsoir, Liora, coucou. Qui j'ai pas vu, Mademoiselle Coralie, coucou à toi. Ah vous êtes mignon, heureusement que vous me l'avez. Chippy, coucou à toi, ça fait plaisir de te voir. Yes! C'est à partir de dire bonsoir à Tony, sinon on est privé de commandes. Non, vous n'êtes pas privé de commandes, vous avez vos commandes. Team Fretty. En fait, tu peux juste m'appeler Juju. Ah, ok. C'est parce que le tien, c'est un des pseudos que j'arrivais à dire, mais ok, je vais rester sur Juju. Lisa Cast, la team qui déchire. Ah! Coucou Lisa, ça fait super plaisir de te voir. Aria, bonsoir à toi. Wonder Lily. Bonsoir à Wonder Lily. Ray Ray, bonsoir à toi aussi. Oh, vous êtes nombreux, ça fait plaisir. Coucou à vous, coucou à tous. Bonsoir. Ça y est, je l'ai déjà dit. Va arrêter. Alors, on sims ou on sims pas? Ouais, on sims, hein. Du coup, j'ai hésité beaucoup, mais il y avait plein de trucs que j'étais pas prête à faire. J'ai pas encore pris mes parties, j'ai pas encore mis les trucs en place. Donc, je me suis dit... On va revenir sur quelque chose qu'on a l'habitude, c'est-à-dire la place du marché, hein, d'accord? Voilà, parce que j'ai vu que j'avais de plus en plus de ugly là que vous m'aviez envoyé, et je me disais peut-être qu'un soir, il faudrait qu'on se fasse un live où on modèle du Sims moche. Mais je sais pas si ça vous intéresserait de voir ça en live, parce que je risquerais de peut-être prendre beaucoup de temps, mais bon, on va essayer, hein. Voilà. Ah bah comme tu veux... Si ça te fait plaisir de dire le pseudo en entier. Non, c'est parce qu'il y en a certains, j'arrive pas du tout à les dire. Pearl Gaming, bonsoir. Bonsoir.
Pourquoi elle déchire la team? C'est parce que je suis là. Oh, hey, AZERTY, non mais sérieux. Mais t'as peut-être raison, un petit peu. Hein. On s'en... Voilà, exactement. Little Big 2, coucou à toi. C'est quoi le principe du challenge? C'est la place du marché, c'est une maison qu'on a héritée et en fait, on doit débloquer les pièces petit à petit sous certaines conditions, d'avoir un enfant, deux enfants, un mariage, niveau 3 en compétences, niveau 4 en truc et voilà, et on avance petit à petit. Et pour le moment, je crois qu'on n'a même pas débloqué, on n'a rien débloqué la semaine dernière. On pourrait débloquer, mais on n'a rien. Il n'y a pas fait celle-ci? Non, j'ai pas fait celle-ci. En fait, j'ai fait la feignasse. On n'a que 3 pièces qui sont débloquées, plus le couloir. Bah voilà, on est bien. On a 2 chats. Du coup, niveau aspiration, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit sur YouTube, mais tu vas jamais y arriver. Et bah, j'espère qu'on va y arriver. Mais pour le moment, ça avance tranquille, quoi. Être bien compagne avec un animal. Merci. Ça marche. Aujourd'hui, ça marche, Tony. Céline Les pseudos, comme ça, j'ai trop du mal. Céline, merci pour ton follow. Oui, moi, ça m'intéresse de voir les Sims moches. C'est quoi le hashtag? Hashtag UglyMyNG. Je crois que c'est ça. J'espère que c'est ça. Avec le mariage, tu n'as rien débloqué. Si, je crois qu'on débloque. Alors, attendez, je vais vous mettre tout ça. On va refaire un petit récapitulatif, si vous voyez bien ce que je veux dire. Je mets juste ma page. Ok. Isénalise, bonsoir. Et le premier bébé, pour quand? Faut qu'on le fasse. Mais j'ai un peu d'angoisse. J'ai déjà 2 chats et un mec. C'est compliqué. Attendez, par contre, je crois peut-être que ma musique est juste un touchouille un peu fort. Je sais pas si j'ai baissé grand-chose ou pas, mais je pense. Donc, ce que je disais, c'était pas ça, c'était ça. Voilà. Alors, du coup, pour le moment, nous, on a celle-ci qu'on peut débloquer, je crois, la jaune. Puisqu'on a bien une compétence niveau 3, il faut 400 simflouz. Et le mariage, c'est 500. On s'était mariés? Oh putain, ça y est, j'ai Dory qui revient en moi. On s'est mariés? On a fait un mariage, hein, je crois. Mais oui qu'on a fait un mariage. Mais oui, on a été à, je sais plus comment elle s'appelle, Brittleton Bay, et on s'est mariés. Choupi, bonsoir. Et oui. Donc du coup, on a celle-ci à 500. En fait, il faudrait 900 simflouz là, et on se débloque tout ça. Tout ça. Carrière niveau 6, je sais pas. Et après, je crois qu'on peut débloquer aussi en bas. Mais là, c'est de la thune qu'il nous faut, et... Même ça, en fait, on pourrait. Hein. On a déjà toutes les compétences, enfin, on a déjà tous les trucs. Compétences niveau 10, non, pas du tout, on l'a pas. Ça, on l'a pas du tout. Et carrière niveau 6, alors là, j'ai un gros doute. Hein. Je ne sais pas du tout si on a une carrière. Attendez, carrière, on en a à quoi? Waouh, presque. Du coup, on peut se débloquer, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de débloquer tout de suite maintenant? Peut-être pas. Déjà, on devrait créer des toiles. Elle travaille dans combien de temps? Dans 16 heures. Elle va comment? Elle va prendre une douche. C'est très très bien. Prends une douche. Prends une douche, c'est excellent. On a des chats qui vont pas bien. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Non. Toi, tu reviens ici. Tu vas jeter ça et ensuite, tu iras faire pipi. J'ai créé des Ugly, ma NG. Oui! Trop bien! Bonsoir, Lily! Le chat va bien, les chats. Nous avons 2 chats maintenant qui se tapent dessus, mais ils vont bien. Ils s'aiment pas du tout. Hein. Ah, mais je crois qu'elle est enceinte en plus. Peur des animaux? Ah, ils ont des peurs. D'accord, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était lui qui avait peur. Mais par contre, vas-y, lâche ton parapluie. Ah, dommage, tu y étais presque, hein. Oh non, fichtre, il est tout sale. Salut Electra. Ça va très très bien, j'espère que toi aussi. J'avais fait la liste des courses pendant ton live et j'ai pas pu aller faire les courses parce que je suis tombée malade le matin où je devais y aller. Ça c'est con, c'est très très con. Mais au moins tu sais que t'as ta liste. Oh merde.
merde. Ce qui est fait, c'est con, ça. Ce qui est fait n'est plus à faire, je dirais. Donc, déjà, c'est un bon début. Bah, j'espère que tu vas mieux aller, hein, la prochaine fois. En même temps, si t'as évité les courses, c'est tout bénef. Hein. Éviter les courses, moi, j'adore. Rataga, bonsoir. Bah, sauf s'il y a que toi pour les faire, forcément, c'est un peu con. Oui. Non, mais je te souhaite d'aller mieux, Johanna. Je vais super bien, merci, tant mieux. Bon, bah écoutez, nous on va super bien. Par contre, ma Sims, est-ce qu'elle va super bien? Je sais pas. Ah, très bien. Elle s'est dirigée d'elle-même, contemplée. Ah non, t'es un peu con quand même. Hein. Fais-moi une toile. Tant que t'y es, c'est quand même vachement mieux que de contempler ton truc. Souhaite venir passer du temps ici? Pas du tout. Nous ne sommes pas prêts à passer du temps ici. Toi, tu vas aller prendre ta douche. Et on a un chat qui fait « Oh, qui fait dodo !» Et l'autre qui est en train de se dire « Hé, et moi alors ? Moi, j'ai pas de lit, j'ai rien. Vous m'avez dit d'acheter un seul panier. » Et du coup, bah c'est pas cool parce que le pauvre, il y en a un qui est tout seul. Boris, merci pour ton follow, bienvenue à toi. Bonsoir Morgane. Ça va très bien, Choupi. Oh, j'ai pas suivi, mais c'est bien, 4-6, c'est bien. Coucou, Nika. Cette coiffure de lionne et la couleur, on adore. T'as vu ça un peu? Oh là là. Ouais, c'est clair. Hein. C'est de la coiffure. Mais merci beaucoup. Écoute, si ça te plaît, je suis ravie. Alors, nous, on avance, hein, tranquille. Tranquille, mais sûrement. Allez, on fait ça. On va se faire une petite toile. Dans 14 heures... Normalement, on va s'en sortir. Si papa nous fait le plaisir de nous faire un petit manger, on a des trucs ou pas? Ouvrir. Oui! Ah oui, on a beaucoup de salade. Encore? Décidément, chez moi, les Sims, ils ont beaucoup de salade. Coucou, Emma! Wikikatsi, ouais, on compte toujours ce Wikikatsi. Oh, c'est joli, la petite pause! Allez, fais gros caca. Très bien, si tu pouvais ramasser après, ça m'aiderait. Et elle a pris autre chose. Ça, c'est... Par contre, ça, c'est chiant. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'ils faisaient ça avant. Voilà, maintenant, à chaque fois, ils se servent des trucs. Mais pas ce qu'il y a dans le frigo, c'est con. Quoi, ici, Analyse? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas du tout adepte des Sims, mais ma copine t'a réussi beaucoup, alors petit soutien follow. Merci! Oh, c'est gentil. Mais c'est qui, ta copine? En tout cas, c'est très gentil, merci beaucoup. Le temps des Sims s'accorde autant de chez moi, mais sans les orages. Ah bah ouais. Bah tant mieux, parce que les orages, j'aime bien, mais de loin. Oh! Bah, mon lit va beaucoup mieux. Il était tout griffé. Bah là, il va beaucoup mieux. Et lui aussi, il est tendu. Hein. Il est tendu, tendu, le pauvre. Hein. Il sait pas quoi faire de sa vie. Bah, il va ramasser des petites crottes. On va nettoyer la litière. Mamie Coco, bonsoir et merci pour ton follow. Elle crie 3... Elle crie 3 ? Non, 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 non. Oh, c'est une énigme ou quoi ton truc, Boris ? J'ai pas compris. C'est la même chose chez moi, le frigo est plein, mais non, il continue à se faire... Ouais, mais t'as vu, c'est bizarre, hein ? Avant, ils faisaient pas ça. Mais là, maintenant, ils font que ça. Nettoie. Du coup, ma chérie, continuons l'étoile. On va vendre à la galerie d'art. Toi, tu t'ennuies royalement. Bah, je sais pas. Attends, j'arrive pas à cliquer sur le chat. Caresse. Brosse. Ah, mon téléphone n'est pas coupé. Et fais connaissance. Voilà, comme ça, on est tranquille. Oh, merci, Essinali. C'était ça que tu voulais me dire? Je suis ravie. J'adore. Et mon truc... Bon, j'arrête de le dire. Non! Non, 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 je suis pas d'accord. On peint! Ma chère, même si je te l'ai pas demandé du coup, je m'en rappelle. Voilà, bienvenue à ceux qui arrivent dans la team guacamole. Non, pas 3, c'était... Oh, j'y comprends rien. Soit je suis complètement à côté de la plaque, soit j'ai rien compris. Mais je crois que j'ai rien compris. Un double guillemet. Écoute, je crois qu'il va falloir que tu me donnes un cours de ton langage parce que j'ai pas tout compris, Boris, mais crois-moi, j'y mets toute la bonne volonté que j'ai en moi.
Ah, les guacamole time. Vous êtes irrécupérable. Mais Mokoa, il est chelou. Mais non, il est pas chelou, il est bien. Il est bien, mais il fait pas du tout ce que je lui ai demandé. Brosse. Et ensuite, tu peux faire connaissance avec elle. Ou lui, je sais plus lequel. Non, lui, c'est le mâle, et elle, c'est la femelle. Ça y est, je m'en rappelle. Les meubles peuvent être griffés, ça rend quoi? Ah bah, ça fait plein de griffures, le dernier live, on l'avait vu. Si, si, ils peuvent te griffer les canapés et tout. Ah ouais, ouais, ouais. Vache, ils sont pas cool, hein. J'ai un barbecue, cela n'arrête jamais. Ah oui, quand ils vont se faire à bouffer sur le barbecue, tu m'étonnes. Ouais, 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 j'ai vu aussi. Sermonner, ouais, on peut essayer, mais après, si t'écoutes, t'as de la chance, hein. MDR, on perd NJ dès le début de live. Bah ouais, mais en même temps, j'ai pas compris l'histoire des trois. Qu'est-ce qui a très peur de la prochaine grosse mage sur les Sims avec les nouvelles couleurs de peau et tout le reste? Bah là, je te dirais, en fait, j'ai... Non, j'ai pas forcément peur d'une mage parce que je pense que là, ça fait quelques temps depuis écologie que les mages, tu vois, ça commence à être délicat dans mon jeu. Donc je me dis, il peut pas y avoir pire. Quoique, c'est possible. Mais voilà, j'ai jamais peur. Pour le moment, j'ai pas trop de gros bugs. Après, par contre, je compatis pour ceux qui ont des vrais gros bugs. C'était pas un 3, c'était un smiley. Attends. Non, mais je suis nulle, hein. Je t'ai perdu, Boris. Je sais plus où t'es. Faut que je revoie. C'était un smiley. Est-ce que j'ai le droit d'avoir honte? Oh putain, ils sont en train de se bouffer derrière. Merci Cassie. Oh putain. Si tu... Non mais c'est pas... Non c'est pas... C'est un pull normal. Hein. C'est pas à moi. N'oublie pas de faire ta pub. T'es gentil, hein. Bah écoutez, elle a fini ses toiles, tout va bien. Je dis qu'on va aller dormir. Je sais pas si elle... Oui, si, si. Bah tout va bien, très, très, très bien. Bonsoir Fanny. Du coup, j'ai perdu Boris, le pauvre, il veut plus me parler. Il s'est dit, alors elle, elle est complètement larguée, la meuf, elle a rien compris. Sorry Boris. Promis, je ferai mieux la prochaine fois. J'ai eu le bug anniversaire pour ma Sims nommée Angie. C'est con, ça. Elle n'a pas voulu grandir. Je comprends, hein. Je la comprends totalement, tu sais. Franchement. Elle a grandi 2 jours après. Oh, c'est con. Non, Maddy. Oh, oh, oh. Elle est où, Maddy? Maddy. Oh, et qu'est-ce que tu... Oh, ça faisait longtemps, je ne l'avais pas vue. Maddy, je t'ai perdue. Mais Maddy, reviens ici. À la maison. Viens faire les bébés à la maison. On fait les bébés à la maison, hein, j'ai dit. Ah bah, elles sont là. Je suis très, très conne. Maddy, elle est là. Elle est pas un peu plus grosse? Regardez. Oh, ça, et c'est tout à fait la réalité. Quand tu vas au chiottes, t'as toujours ton chat qui vient et qui te regarde. Et qui se pose devant toi. Comme ça. Elle se casse. Oh, et puis elle roule du popotin. Une vraie meuf. Mais t'es pas du tout en train d'accoucher, ma chérie? Qu'est-ce qui se passe? Non, t'inquiète, c'est juste en toilette. N'aie pas peur, n'aie pas peur. On va avoir des bébés, on n'est pas dans la merde. Je vous le dis, on n'est pas dans la merde. Hein. Super Cassie, toujours là pour aider Angie. Non mais attends, cette honte. Cette honte. J'avais pas pigé. Dans le titre de ton live, tu as utilisé Challenge la place du marché avec des doubles guillemets. Petite erreur de frappe. C'est possible. C'est possible, je sais pas. J'ai fait ça? Encore? Mais non, mais vous allez pas me mettre en avocat tout le temps, hein. Je ne suis pas d'alors. Je ne suis pas d'alors. D'alors? D'accord. Ok, Choupix, je te retiens. Coucou Défira.
C'est votre ultime bafouille? Non, c'est pas l'ultime, c'est la primero. La primero bafouille. On bafouille, on chafouille, hein. Ça chafouille bien. J'adore tes cheveux. Oh bah vite, hein. Pas moi! Mais en même temps, tu sais, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a, hein. J'ai eu des chatons, ils ont jamais grandi. Ah, vous voyez pas ma tête avec ce guacamole? Mais j'étais choquée. J'étais choc. C'est vrai? Comment ça, ils ont jamais grandi? Mais c'est excellent. Ouh. Ah. Je vous ai pas mis... On aurait pu mettre... Il y a des nouveaux trucs là sur Twitch. J'ai pas mis en application. Je suis toujours... Je m'en vais, je n'existe plus. Mais non, mais merci d'être passé. Le guacamole te souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, Boris. En tout cas, c'est très gentil. Sorry vraiment de mon incompréhension. Mais très gentil. Par contre, je sais toujours pas qui est ta copine. En tout cas, bonne soirée. Ils sont verts, tes cheveux, non? Mes cheveux à moi? Mais ils sont pas... Tu te moques de moi? T'es en train de te moquer de moi? Tu me parles de... Le samedi soir, c'est guacamole party. Mais je suis pas venue pour ça, moi. Je me marre ce soir. Ah bah écoute, tant mieux, Isena Alice. J'ai vu ça. Ben si, t'es un guacamole. Oui, mais j'ai compris qu'après, hein. On lâche tous nos points le samedi. Vous êtes des oufs, hein. Franchement. En plus, vous faites des soirées comme ça où vous vous dites, tiens, on prévoit ça tous ensemble, les gars. Samedi, on la fout tous en guacamole, qu'elle ne reprenne jamais sa tête normale. Après, moi, dans ces cas-là, comme j'ai dit, hein, je ne me prépare plus. Je fais plus rien. Coucou, Léa. Bonsoir. Ça fait contente de te voir. Lucie, merci pour tes 100 bits. C'est gentil. Ah non, pas de nom moche pour les animaux. Bah justement, ah c'était ça que j'étais en train de dire, parce que j'essaye de dire des choses, mais en même temps, je dis rien. Bienvenue pour ton follow. Merci. Non, pas du tout. Oh, je sais plus ce que je dis. Non, c'est que, en fait, dans Twitch, il y a une nouvelle fonction. Maintenant, vous pouvez voter et tout. On peut faire des petits trucs de vote, et j'ai rien mis en application. Donc du coup, vous pouvez pas voter, mais vous pouvez me dire là comment on l'appelle. Oh, Fabouille. On l'appelle Fabouille? Ah oui, c'est bien, Fabouille. Ah, excellente idée. J'ai comprendu. Ça fait contente de te voir aussi. Je suis ravie. Ravie, Léa. On va l'appeler Fabouille. Moi, j'aime bien Fabouille. Excusez-moi, hein, le guacamole ne voit pas grand-chose. Il a deux yeux au milieu du nez. Nom de famille. Je ne sais même pas comment je m'appelle. Je ne sais même pas comment ma famille s'appelle. C'est con, quand même. Les votes, c'est depuis un moment, j'en avais fait un la soirée où tu faisais des challenges de temps. Mais non, mais là, il y a eu un nouveau truc. Moi, j'ai reçu une alerte de Twitch. Ou alors, je suis pas... Mais j'avais jamais vu, je sais pas. Bah, voilà. Et c'est possible, hein. Après, est-ce qu'ils remettent des trucs? Je sais pas. On s'en fiche du nom de famille, c'est vrai? Mais il va pas s'appeler Fabouille prénom, quand même. Non, mais parce que là, il y a marqué prénom. Me dites pas qu'il s'appelle Fabouille prénom. Oh, bah, sinon, je fais ça. Bah oui, je suis con. Ah non, il s'appelle... Il y en a un deuxième. Putain, pas plus de deux, s'il vous plaît. Après une petite journée de bip, Angie et le smiley revient. Oh, mais tu sais quoi, c'est le truc qui me fait le plus plaisir. Tant mieux, Isenalis. Je suis ravie. Un autre. Dis-moi, Fanny, c'est pas son prénom quand même. Rassure-moi. J'ai rien compris pour cette histoire de vote. C'est pas grave, Katsi. On peut pas être Katsi Wikipédia tout le temps. Hein. Calypso, bonsoir à toi. Et Angie en avocat, s'il vous plaît. Ben oui, mais tu vois ça un peu. Non, mais c'est quoi ça, Lisa? Franchement, cette honte. Après, Fabouille, bafouille. Ah non. Ah bah non, mais Aurélie, là, on va me perdre. Hein. Patoune. Très bien, Patoune. Patoune, et je reviens dans mon état naturel. Oh, bah j'ai fait un cœur. Attendez, je fais juste un test. C'est trop con. Ça fait des cœurs. Quand j'appuie sur mon guacamole, ça fait des cœurs ici. Mais c'est nul, ce truc. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait une connerie, Tony, hein, je te le dis. Hein. C'est quoi j'ai dit? Ah, Patoune. J'aime bien Patoune. Patoune. Petite Patoune, bienvenue parmi nous, Patoune. Très bien comme ça, deux T, un N. Ok, on est d'accord. On veut pas de prénom. J'espère que ça marche. J'espère que ça s'appelle pas Patoune prénom. Oh, c'est trop chou.
Bon, bah, c'est les sosies de maman, hein. Et on est dans la merde. Oh oui. Océane, merci pour ton follow, bienvenue à toi. Et par contre, Patoun, non, Sermonet, parce qu'il faut lui corriger deux mauvais comportements. Oh, on en a corrigé un déjà. Est-ce qu'elle s'en bat royalement de ce que je viens de lui dire? Ah, elle a appris. Wouhou. Ok. Être compagne avec un animal. Compagne. Comment on fait? J'en ai aucune idée. Caresser. Non, t'en vas pas. Non, t'en vas pas. Oh, c'était tellement bien parti. Bon, bah tant pis. Hein. C'est ma Sims qui a fait ça. Ah non. C'est Makao, Moko, Makoa. C'est Makoa qui a fait ça. Regardez les deux petits siamois, c'est trop mignon. Jarlocine. Putain, j'ai jamais eu autant de chats dans une maison. Je suis perdue. Et lui, il bouffe encore de la merde. Trop mignon. Vous avez vu, c'est chou. Hein. Elle déglingue Twitch. Ça va être très dur de l'appeler. De l'appeler Patoun. Fabouille. Fabouille et Patoun. Patoun, Fabouille et... attendez, j'ai déjà oublié. Henri. Henri. Maddy. Oh, c'est bon, là, on est OP, on est OP. Hein. Patoun, c'est chou. Ah, vous êtes d'accord. On peut faire des votes pendant les lives en haut du chat. Ouais, c'est un truc comme ça. Mais en fait, moi, j'ai reçu un message là récemment. Alors, je sais pas si c'est moi qui suis larguée ou pas. Ou alors, c'est Twitch qui se dit, ah tiens, on a oublié de prévenir Angie. Si on allait lui dire qu'il y a des trucs quand même, elle est pas au courant, la pauvre. Oh, c'est pas beau. Bah, j'espère que tu parles de la peinture. Oui, la peinture, elle est pas terrible. C'est une beauté. Mais non, le père, il va pas bouffer les chatons. Pourquoi tu veux qu'il bouffe les chatons? Par contre, il peut leur faire... Oh, t'es trop mignon. Coucou les chachas. Oh non, regardez. Excellent. Oh, je suis en kiff. Virginie, tu viens de casser un moment de toute beauté. C'est pas des grenouilles, c'est des petits chats. Regarde. Ah, peut-être, je sais pas, si je vous cache pas, j'espère. Oh. Ils ont tout arrêté. Putain, on les entend bien. Hein. Fais connaissance. C'est moi. C'est toi? Mais t'es con, quoi. J'ai cru que c'était dans le jeu. Ah oui, moi, je suis larguée, hein. Mais sinon, coucou à toi quand même, Virginie. Ma petite Virginie, comment tu vas avant que le sommeil ne s'empare de moi? Dans 2 secondes, on a perdu Virginie. Ils se ressemblent tous les chassons, ça va être dur de savoir qui est qui. Non mais j'ai même pas. Je me dis, c'est même pas la peine que je cherche. Hein. C'est mort, mort. Bon, et si on vendait ta petite croûte? 98, ça rembourse les frais, c'est déjà pas mal. Après, comment tu vas? À peu près bien. Il est heureux. Heureusement qu'il n'est pas contre les animaux, parce que sinon, on serait mal. Hein. Tony, quel génie. Moi aussi, je suis un peu larguée avec Twitch. Ah, bah, ça me rassure. Ah, donc. Moi, je suis complètement larguée. Pour se divertir, je crois qu'on m'a dit, normalement, le pointeur laser, c'est bien. Voilà, on va faire ça. Ah ouais, bah là, on a une belle famille. Hein. Et alors, rajouter des gamins là-dessus, on est mal barré. Fou. Déjà, faudrait... Mais Aurélie, c'est pas ta commande à toi, ça. Nixia, bonsoir. J'espère que j'ai loupé personne. Bah ouais, c'est clair, hein, Luna. Luna, bah, ça y est, j'ai fait encore des réductions. Luluna. Oui, je vais manquer de place, hein. Bah là, il nous reste finalement bah, 2 places. Déjà, c'est bien, j'aurais pas de triplé. C'est qui est contente? C'est Bibi. Pas de triplé, on est tranquille. Allez, on se rajoute un chaton et on n'a plus besoin d'avoir de plus d'angoisse. Je sais pas c'est quoi le plus dur, les bambins ou les chats. Franchement, je sais pas. En tout cas, à niveau divertissement, ça divertit beaucoup plus de jouer avec un chat qu'avec un gamin. C'est trop bien. On est tranquille. Sauvegarde. On sauvegarde. Il y a trop de chats dans cette maison, j'ai tout le temps l'impression que le mien meule derrière la fenêtre pour rentrer. Ah, je connais ça. Moi, j'en ai un.
Tous les matins à 7h, il miaule, mais comme un ouf, il va ouvrir la porte des chambres de mes enfants pour aller miauler, pour dire « Vous m'ouvrez la fenêtre, je veux me casser !» Et le soir, au moment où on se débarrasse un peu des enfants, il arrive derrière la fenêtre et il miaule pour dire « Je veux rentrer, c'est l'heure, laissez-moi rentrer !» En presse, merci pour ton follow, bienvenue à toi. Vraiment, franchement, c'est mignon les chats, mais c'est très indépendant, quoi. Enfin, le mien surtout. Eh ben écoute, mon chéri, tu sais quoi, t'as rien à faire. Qu'est-ce que tu peux faire? Proposer ton amitié. Qui es-tu, toi? Patoun! Coucou, Patoun! Bonjour, petite Patoun. Ah, un truc que j'adore. Attends. Prendre une photo, non, c'est nul. Mais non, je voulais le prendre dans mes bras. Comment on fait? Prendre dans les bras. Regardez. Prends la petite crotte qui est par terre, là. Oui. Oh, c'est trop. Oh, il est tout petit. Ah ouais, il est fichtre. Ah, il est surtout derrière. Oh, c'est trop mignon. Bon, on va pas du tout, papa. Hein. Pardon, papa, c'est pas que je t'aime pas, mais... Mais voilà, on te voit pas. Oh, t'es tout mimi. Papa, il a l'air dégoûté. Posez Patoun. Non, je veux pas, je vais faire un câlin. Fais un câlin à la boulette, pendant qu'il y a, pas, il y a maman qui fait caca derrière. Oh, tu l'as reposé comme ça, direct. Et t'es content de toi. On n'est pas fiers. On est peu fiers. Nettoyez. On nettoie tout ça. C'est pas gentil, loulou. Tu pries pour que j'aie des jumeaux? Eh ben, j'en aurais pas. Je le sais. Je le sens. Comme ça. M'en fous, vu comment Virginie a été acquittée, elle a le droit à des... J'ai pas... Le message a sauté. Mais Aurélie, ça va pas ou quoi? Je l'ai bien accueillie. Ma Virginie, quand même. J'essaye de bouger le chat avec ma souris. Ça va pas du tout. Je viens d'essayer le pointeur laser avec mon chat ce soir, c'est pas une réussite. Pourtant, normalement, ils sont censés adorer ça. C'est con, ça. Oh, c'est bien, t'as adopté un chaton de la SPA, c'est trop bien. Très, très bien. Les bobas, c'est chiant dans les Sims à faire grandir, je triche. Ah, écoute, on triche tous d'une façon ou d'une autre. C'est normal que mes chats, à moi, dans les Sims 4, ils sont vraiment, vraiment pas affectueux. Ah bah, peut-être leur trait. Madame, tranquille. Ça va, tranquille? D'où tu te permets de venir... Qu'est-ce que t'as, toi? Envoyer chasser. Vas-y, va chasser. L'autre, elle vient comme ça. Ça me manque, les chatons. Oh. Moi, quand j'ai pris mon chat à la SPA aussi, eh bah, je voulais prendre un chaton, mais j'avais mon petit, il était trop petit. Et du coup, on m'a conseillé de ne pas prendre un chaton parce que c'était plus dur. Mais comment j'aurais trop voulu prendre un chaton? Après, mon chat, c'est vraiment une bonne patte. Hein. Heureusement, parce que vu ce qu'il lui a fait, mon petit, valait mieux qu'il soit une bonne patte. Il est chiant, mais c'est une bonne patte. On les aime, les chats chiants, mais c'est des bonnes pattes. Il est tout mignon. Mais qu'est-ce qu'il est chiant? Je crois que je vous ai bloqué. Ah oui, je vous ai bloqué. Ah, j'ai pas vu... Ouais... Je connais pas trop les interactions des animaux dans les jeux. Mais par contre, je trouve qu'ils sont super bien faits. Le seul truc, c'est que c'est vrai qu'on aurait envie de cliquer sur un pour qu'il joue avec l'autre, mais on peut pas. Mais en même temps, je comprends. Ça permet d'être plus réaliste, quoi. Du coup, ils font un peu ce qu'ils veulent. Regardez! Oh, ça va être soirée chat, hein, je vous le dis. Hein. Qu'est-ce que tu dis? Oh, il est tout mimi! Ah bah non, mais les chatons irréels, bah ouais, non mais moi, oui, en jeu aussi c'est bien, mais en vrai c'est tellement mignon. Je veux un chaton. Non, je veux pas de chaton, je veux pas de chaton. C'est encore toi qui as fait des miaou? Mais t'es bête ou quoi? J'ai pas compris. Afin de créer des masculins coréens, ça me tente trop. Ah bah alors moi j'ai pas de mode, non. Oasis, Oasis, c'est bon, c'est bon. Ça, on va la faire à chaque fois. Hein. Bon, sinon, bah lui, il va super bien. Il fait rien de sa vie, hormis s'occuper. Il faut lui fournir un gosse. Hein, parce qu'avec un gosse, il va vraiment s'occuper. Par contre, vous chiez tous à la queue, là, les gars. Hein.
Et encore des petites crottes. On va s'acheter la super high-tech machine, là. Je sais pas comment ça marche. Je sais pas comment elle s'appelle. C'est la litière. Patoune est une chatte paresseuse. Ah mince. Elle aime vraiment se détendre et se reposer. Faudrait peut-être que je leur mette d'autres paniers, non? Ou ils s'en foutent? Non, par terre, apparemment, ça lui plaît. Hein. Alors si Patoune, elle est comme ça. J'ai perdu la petite. Where is the... Ah, ah bah non, elles sont toutes là. Ah, j'ai... Oh, oh, c'est Mimi! Oh non, c'est trop chaud! Je vous abandonne. Je regarde mes chats. Mais une pelote de laine. Ah oui. Ah oh, oui, une pelote de laine. Excellent. Ah, c'est où? Pelote de laine. Attendez, on va trier. Pack. Tricot. Tricot. Parfait. Pelote de laine. Oui, petite pelote de laine. Obligé. C'est qui joue avec la pelote? Ah, le parquet, il me fait mal aux yeux. J'aime pas. Ah bah, elle fait ses pattes sur un parquet? On peut pas lui lancer? Je voulais lui lancer. J'ai parlé anglais? C'est vrai? Ah, bah, c'était pas fait exprès, alors, hein, je sais pas. Hop. Nettoyer. C'est trop mignon. Vous avez vu, quand même, hein, c'est vachement mignon. Mon chat fait aussi ses besoins dehors dans le jeu. De toute façon, mon chat, il refuse d'aller dans la litière. Si tu parles... Alors du coup, je sais plus si tu parles irréel ou pas, mais moi, c'est pareil. Hein. Moi, il chie dans mon jardin, mais pas chez moi. La litière, elle sert vraiment en cas d'extrême urgence. Alors, elle reste là, mais c'est vrai que non, il balise tout le terrain. C'est tellement mieux. Et celui des voisins, pour notre plus grand plaisir. Mais certainement pas pour celui du voisin. C'est clair que les voisins sont dégoûtés quand t'as des chats, toi, qui se baladent dans leur jardin. Bon, bah, du coup, on peut abandonner la toile, puisque la madame, elle a fait une petite toile. Et puis, j'ai envie de dire, maman, elle rentre dans combien de temps? Elle a besoin de divertissement. Un petit crac-crac s'impose. Elle travaille jusqu'à... Bah, jusqu'à maintenant? Non, mais arrêtez de faire des toiles sans mon avis. Ok, bah, fais des toiles, alors. Bon, si vous voulez. Merci. Oh, c'est pour les chatons. Merci, Lucie, pour les 100 bits. Écoute, les chatons te sont très reconnaissants. C'est gentil, merci. Je fonds. C'est adorable. Demain, je m'en mets dans les Sims. C'est vrai, t'as jamais fait, Anne? Ah, bah, t'es comme moi. Ah, si, c'est mignon. En plus, si tu joues sur une petite partie posée, franchement, tu passes du temps à les regarder. C'est adorable. Ah, puis il faut... Regarde! Oh, putain! Ah, oh, je suis gaga. Excellent. C'est bon, vous m'avez perdu. En plus, il joue avec la balle. Oh, maman, elle est rentrée, mais on s'en fout. Regardez. Oh. Est-ce que j'ai l'air neuneu? Oui. Oh non, je me suis trompée de touche. Moi, que t'es beau, Henri. Henri et Maddy, pour vous servir. Oh, vous êtes beau. C'est bien. Bon, bah écoutez, c'est très très bien. Nous sommes ravis, nous avons fait deux petits roukmouts, tout mignons. En tout cas, c'est pas du tout papa. Hein. Mais par contre, c'est vachement maman. Et bah, vends-moi ça maintenant. Hop. Et puis maman, bah tu rentres. Et puis on va faire un bébé. La maman, c'est la rousse et avec les taches noires. Bah, la maman, c'est... En fait, les bébés, ils ont hérité. C'est la maman crachée. Il n'y a personne qui a pris de papa, mais en même temps, papa, il est roux. Donc, ils ont peut-être pris de papa, mais ça se voit pas, puisque maman, elle était rousse aussi. Par contre, je sais pas si c'est exactement le même pelage. Ils sont où, les autres? Si, ça m'a l'air d'être exactement le même pelage. Les mêmes taches. Et maman, elle est où? Maman, elle arrive. Ah non, c'est pas pareil. Ah, j'ai pas vu aussi s'ils avaient une petite queue. Faut que je regarde. Challenge du plus beau chaton. Henri m'a dit qu'il fabouille en disant Patoune.
Henri m'a dit qu'il fabouille en disant pas tout. Mais non! J'ai compris, hein. Excellent! Tu vas faire un jour Portia en live. My time? Tu parles de My time at Portia? Tu sais que bah, du coup, ça fait longtemps que j'y suis pas retournée. Ça pourrait être, ouais, ça pourrait être sympa. C'est, en plus, c'est super chill comme jeu. Et en live, ça pourrait être super sympa. Oh, tu m'as donné envie d'y retourner! Oh, c'est vrai, t'aimes pas? Oh, bah, j'étais pas... Je suis désolée, alors. Coucou, Cocox. J'ai pas vu la rediff du live précédent, pas grave. Comment tu vas? Ça va très, très bien. Oui, bah... pour le moment, ils ont pas du tout fait crac-crac, là. Oh! Faire un bébé. Oui, oui, les chatons, ils sont bien de maman. S'il y a un incendie, tu crois qu'il y a un moyen pour que les chats... Mais Aiden, non mais oh, c'est quoi cette question? Ça va pas ou quoi? Ah ouais, ma time at Portia. J'ai fait ta playlist au moins 15 fois, mais non! Tu te les refais? En plus, je l'ai même pas fini. Je l'ai pas fini parce que... Bah parce que ça suivait pas beaucoup en fait, alors du coup je me suis dit ça plaisait pas. En live je dis oui j'achète, petit docteur Chou. Ah, dites-moi que c'est ça, oui c'est ça. Mais moi je l'appelais Chou parce que Xou, je savais pas comment. Je savais pas comment dire Xou, docteur Xou. Du coup je l'avais appelé docteur Chou. Oh, je m'en rappelle même plus comment elle s'appelait ma personnage. Il y a eu des mises à jour. Des nouvelles quêtes? Un My Time at Sadrock? Sandrock? C'est quoi ça? Oh, wouhou! Ah, trop... Lily! Mais oui, Lily! Oh, Lily, mais trop... Mais oui! My Time at Portia, c'est un petit jeu que j'avais fait sur la chaîne, sur YouTube. C'est un petit jeu de craft et t'as une petite ferme et t'as plein de missions et y a toute une histoire et tout. Et bah écoute, si t'as envie de voir ce que ça donne, tu peux le voir sur YouTube. Et franchement, il est vachement bien, mais c'est vrai que bah, j'ai pas été... Et c'est un jeu, j'ai encore eu un nouveau commentaire récemment où quelqu'un me disait « Est-ce que d'après toi, c'est intéressant que je le prenne parce qu'il me plaît beaucoup, mais je voulais savoir si on pouvait jouer longtemps, est-ce qu'après l'histoire, c'était intéressant et tout ?» Et je lui ai dit qu'il y avait franchement... Au niveau durabilité du jeu, ouais, c'est top quand même. Mais non, Cocox, c'est juste une impression. Ton live ne bug pas. Je vois pas mes messages s'afficher dans le chat. Ben, on les voit bien. Cocox, nous te voyons. Nous sommes là, nous sommes oui. Ils ont fait un bébé ou pas? Moi, je parle, mais je vois pas. Ils ont fait crac-crac? Est-ce qu'ils ont fait crac-crac? Oui, ils ont fait crac-crac, je crois. Tout à fait. Maman! Il est temps de s'occuper de... Oh putain, de toi aussi. Ah non, c'est bon, elle travaille dans 2 jours. Excellent. Qui a fait ça? Abandonner la toile? Je ne sais pas. Par contre, ce qu'on veut, c'est que tu fasses... Attendez, j'ai perdu tous mes chats. Où est la maman? J'ai perdu maman. Maman. Ah non, maman, elle n'est pas là. Reviens ici. Ok, papa. Lui, il va me ramasser ça, là. C'est quoi ce déchet? Jeté? Oui, on voudrait que tu reviennes là, Maddy. Tu gardes la litière pour plus tard? Qu'est-ce que j'ai fait avec la litière? J'ai fait quoi avec la litière? Mais elle a fait disparaître la litière, j'ai fait comment? Je l'ai mis dans l'inventaire? Ouais, mais question nettoyage, au moins c'était radical, hein, c'était nettoyé. Hein. Ok. Tout va bien. Ah ouais, j'ai fait... j'ai fait mettre dans l'inventaire. Alors, je voudrais devenir compagnon. Comment on fait? Faire un câlin? Faire connaissance? C'est ça que je veux savoir, là. Comment on fait?
Pourquoi elle est passée par là? C'est pas possible, elle peut passer... Non, non, la porte, elle est censée être bloquée. Autoriser l'accès à... Non, débloquer. Bah, elle est pas bloquée pour toi? C'est chelou, cette histoire. Débloquer. Et... verrouiller la porte pour tout le monde. Non, mais... j'ai vraiment un problème avec ces portes, hein. Franchement, je comprends rien. Tu as cliqué sur mettre dans la porte. Ah, je suis folle. Durabilité, c'est clair que c'est cool, My Time at Portia. Et encore plus si tu veux finir le jeu à 100%, débloquer tous les succès. Et en plus, en fonction de si tu fais... tu te maries avec tel personnage ou tu prends tel personnage, t'as pas les mêmes missions. Donc c'est ça qui fait que ça rend le jeu pratiquement interminable. Parce que si tu veux vraiment tout explorer, t'en as. Hein. Dans l'inventaire. Ouais, c'était une bonne idée. Voilà. Il faut que tu sois ami avec le chat. Après, tu cliques sur devenir compagnon. Mais je suis déjà ami avec, non? Je suis pas ami avec? Range ton inventaire, on s'en fout de l'inventaire. Comment je fais pour savoir si je suis ami? Plus de choix, action, ouvrir le profil, pas du tout. Mais je sais pas. T'as ton nouveau PC? Trop bien. Recevoir de l'amour, ok, on reçoit de l'amour. Attends, vite, je vais aussi aller faire pipi, brosser. Encourager à s'accoupler. Non, ça y est, c'est bon, proposer de sauter dans les bras, non. Recevoir de l'amour. Non, faut que j'aille faire pipi. Mais non, j'arrive pas. Il faut beaucoup améliorer le amical entre le Sims et l'animal pour être compagne. Oh mince. Assez haute, barre d'amitié assez haute. Non, arrête avec ton cou, tu veux pas me faire pipi devant le chat. C'est nul. Attendez, attendez, je suis perdue. Relation, c'est où? Ah, ah, je sais plus. Ah, ça y est, c'est là. C'est pas assez haut, là. On est presque très très haut, quand même, non? Presque. Je vote grave pour un live pour ça, c'est vrai? Bah écoute, avec plaisir, je crois que je vais me remettre dessus. On va se refaire des petites parties dessus. Ça peut être sympa, ouais. Oh, oh bordel, on a complètement oublié de les nourrir. Crotte de zut de flûte. Remplir. Remplir la gamelle. Vite! Bonsoir Vanille, bienvenue à toi. Et merci au fait Virginie, hein, je suis désolée. Je suis vraiment trop trop nulle. Lisa s'en va, j'ai même pas vu. Attendez, j'essaie de vous retrouver, de vous rattraper. Lisa, je vais aller me reposer, je vous souhaite une bonne soirée. En tout cas, merci. Merci d'avoir lancé l'histoire sur My Time at Portia et des bisous à toi, Lisa. Plein de bisous, merci beaucoup. Oui, alors Cocox, il faut qu'on en parle. Hein. Hier, j'ai commencé le challenge Petit Fermier, j'ai joué pendant 4 bonnes heures et bam, le jeu s'est éteint. Ah, ah Jen, là, c'est horrible. Courage. Ça, c'est horrible. J'ai connu, mais c'est horrible. Oh, ça faisait longtemps. Merci Léa. La démarche des chatons, bah, j'adore aussi. Chippy, bonsoir à toi. Ouais, c'est pas cool, hein. Soit t'as envie de pleurer, soit t'insultes ton PC. Je crois que tu fais les deux. Tu pleures et t'insultes. C'est pas un guacamole. Non. Je prends quand même. Bah, j'espère bien que tu prends quand même. Bon, on a nourri. C'est bien. Maman, elle est partie faire à manger. Excellent. Oublie pas de sauvegarder. Pourquoi? Mais arrêtez, il s'est rien passé. Je voulais une disparition, mais tu deviens chat. Bah... parce que tu m'as transformé en chat, je me suis pas trompée quand même. Faut laisser le chat te sauter dans les bras et ça remonte bien l'amitié. Oui. Mais laisser sauter. Ah oui, c'est si je clique dessus, il me saute. Laisser sauter. Attendez. Mais non, mais parce que je veux bien le laisser sauter, mais s'il saute pas, comment tu veux qu'il saute? Enfin, tu vois, c'est compliqué. La meuf, elle comprend rien. Au secours! Au secours! Allez, dépêche-toi avec ta vieille salade toute pourrie, là, alors qu'il y a plein de trucs. Voilà, maintenant, t'es contente. T'as faim, toi aussi? Oh là là, je vais perdre mes animaux.
J'ai pas assez de trucs là, faut que je leur achète des trucs. Embrasser. Caresser. Allez, on est copains, on est très très copains. Saute dans mes bras si tu veux, mais je sais pas comment faire. Oh, faire un câlin. Moi je veux bien. Lucie. Non, personne te saute. Merci Lucie, merci. Et qu'est-ce qui se passe? Oh, le train. Attendez, je vous ai pas du tout... Je suis pour Maïtam, j'adore aussi. Oh, génial, Linou. Oui, il y a Chouchou. Mais je vous ai pas suivi du tout. Chouchou. Twitch vient de me prévenir pour le live. Heureusement que je n'ai pas attendu. Non, mais faut jamais l'attendre. Hein. Vite, on resserre à manger. Remplir. Un distributeur. Ouais, je vais essayer. Merci, Virginie. Merci, Lucie. Distributeur automatique, ok, on va acheter un distributeur automatique de nourriture, il va y en avoir partout, hein. J'ai même pas vu. Elle a essayé de faire un bébé, mais est-ce qu'elle est enceinte? Peut-être, surprise. Alors, distributeur. Pourquoi tout de suite je vois rien? Non, non, non. Est-ce que c'est un train que j'entends? Attendez, j'arrive pas à vous suivre. J'ai perdu, je trouve pas la bouffe. Oh, je sais que vous êtes en train de vous dire, mais elle est aveugle ou quoi? On vient de la passer. Je les vois pas. Arrêtez, hein. Puis mon chat, il a arrêté en plus. Oh, merci, Lucie. Anne, oh, merci aussi. Test de grossesse est autorisé. Oh, oui. Il y a eu un sub? Il y a eu un sub. Qui a sub? Il n'y a pas de sub, hein? Pourquoi vous faites des subs? Je suis larguée! Au secours, Lily Brice, merci! Merci pour votre soutien. C'est juste un jeu de fou, je l'ai quasi fini. Oh! Mais en fait, il y en a plein qui font du... Oh, c'est trop bien! Oh, vous avez trop envie... Vous m'avez trop donné envie d'y aller. Je trouve pas cette litière... Non! Mais en fait, je sais plus ce que je cherche. Viens d'obtenir un nouveau badge. Oh, Lucie. Ouais, je sais pas ce que t'as fait, Lucie, mais t'as eu un truc. Oh, Virginie, t'as offert un abonnement à Katharina. Merci beaucoup, Virginie. Vous êtes des fous. Et moi, je suis toujours en chat. J'ai toujours une tête de chat. Mais non, excellent. 5 émoticônes a offert des cadeaux à 5 personnes dans le chat. Oh, c'est trop mignon. Je sais même pas ce que c'est que ce truc. Merci, merci, c'est trop mignon. Merci Virginie, t'as... Ah, il y a du train qui passe ce soir. Et moi, je suis toujours en train... Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Moi, blonde, moi très très blonde par moment. Et je critique pas les blondes parce que j'ai été très très blonde pendant longtemps. Hein. Je vous le dis tout de suite, pas de panique, pas de panique. Pas de panique. Attendez, il faut peut-être que je débloque des trucs. Hein. Vous êtes niveau 2 du train. Merci. Lola, merci pour ton follow. Bienvenue. Je la pose où, cette foutue gamelle? Je ne sais pas. Elle est dans mes pattes. Je ne sais pas quoi faire. J'ai plus de place. Est-ce que devant la cheminée... Est-ce que devant la cheminée, elle passe? Pauvre chat, s'il vient devant la cheminée, il va se faire cramer. Elle passe, là. Elle passe très bien. Presque. Écoutez, elle passe. Faut qu'on débloque les autres trucs. Pas de panique à bord. Le fun et la vitesse d'abord. C'est nouveau sur téléphone, on a le train, alors qu'avant, non. Ah ouais, c'est vrai? Ah bah écoute, moi, je sais pas, je connais pas du tout. Sur la maman. Tu voulais que je mette la gamelle sur la maman? Oh, y a mon chat, il est en train de bouffer ma gamelle. Mais non! Non, 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 c'est pas possible! Non, 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 non! Non! Sermonné à propos. Mais, oh là, putain, il a fait trop de conneries. Attendez, il y a trop de trucs. Oh là là, j'arrive pas à vous suivre. Naomi, coucou à toi! Tu arrives en plein chouchou. Lily Pris, merci. 1000! Waouh!
C'est la première fois qu'on me fait 1000 bits. Merci Lily Pris. Waouh. Merci à Lily Pris. Alors ça. Oh, attendez. Je sais pas si j'avais pas fait. Ah non, je crois pas, j'ai. Attendez. C'est tout pourri. Que j'avais commencé à faire, mais voilà, merci, tu mets des paillettes dans nos vies, oh, c'est trop mignon. Ben c'est vous, vous mettez aussi des paillettes dans les miennes, dans mes vies à moi, c'est trop gentil, merci beaucoup. Oh, Lucie. Ah ben c'est plus marrant, mais je peux refaire le même encore ou pas? Non, je sais même plus. Je suis perdue. Non, je me suis ouvert YouTube. Attendez. Je sais même plus où c'est. Ah non, c'est là. Je vous en refais un. Ça marche pas? Ah si. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Vous êtes énorme. Merci beaucoup. Ah bah dis donc, vous m'avez gâté. Mince. Mais non. Vous m'avez gâté, mais j'ai complètement loupé l'éducation de mon chat, il s'est tiré. Oh, pour le c'est tout pourri, c'est moi qui l'ai fait. Oh, pardon mon cœur. C'est un peu vrai. Mais je ne pensais pas ça, moi. Je disais que c'était pas encore finalisé, c'était pas encore super bien travaillé, que voilà quoi, mais non, c'est pas tout pourri, c'est mignon. Ben oui, oui, pauvre Tony, le pauvre. J'ai pas été gentille, hein. Oh, je suis pas gentille. Mais c'est parce que je suis une petite Dory. Je me rappelle déjà plus. Putain. J'ai une mémoire de poisson rouge. C'est pas possible. Voilà, ça, c'est ma Dory. Bon, arrêtons les conneries. Soyons sérieux. Deux secondes. On parle de vous à moi. Mon chat a bouffé toute ma salade et s'est tiré sans que je lui dise rien. Est-ce qu'on a vu cette chose-là? Oui, on l'a tous vu. Sermonner du fait de sauter sur les plans de travail et de bouffer ma salade. On en parle ou pas? Bon. Non, mais merci. Hein. Mais du coup, j'arrive toujours pas à avoir l'amitié que je voudrais avec elle. Raconter une histoire. Oh oui, on va te raconter une petite histoire. Et du coup, elle a toujours pas mangé. Elle ne va pas bien du tout. Il faut que je m'occupe d'elle, mais après, elle va manger. Merci, Cécile Oumiam, pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci. Et coucou. Tu viens de louper le petit train. Ah non, il n'est pas fini encore. Oh. Oui, des petits sables. Merci. Oh là là, vous êtes beau, c'est beau. C'est aussi beau que les crottes de chat dans ma litière. Non, c'est vraiment pas du tout ce que je voulais dire. C'est pas du tout ce que je voulais dire. J'adore cette fille. Mais non, c'était pourri. Mais vous êtes trop des amours. Ouais. Ouais, Cassie, trois petits points. Quand tu veux trop parler et qu'il vaudrait mieux te taire. Et ben c'est ça. Voilà. Mais quelle icône, c'est. Mais vous m'avez perdu, vous m'avez perdu, j'y peux rien, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Vous m'avez complètement perdu. C'est trop d'émotion pour moi après. Alors déjà que je perds mon cerveau toutes les deux secondes, mais alors voilà. Ouais, je te... Mais quelle conne. des petits subs et encore des petits subs. T'as vu ça, hein? Franchement, vous êtes trop chou. Trop, trop chou. Je suis rassurée que ça vous fasse rire parce que pendant deux secondes, je me serais bien tapée. Merci, Anne. T'es mimi, Anne. Merci beaucoup. Oh là là. Bah dis donc, c'est tellement mignon.
je repense à mes crottes de chat. Oh, j'en peux plus de moi. Au secours, aidez-moi. Regardez, toute la famille est là. Mais je désespère seulement parce que je sais pas du tout quand est-ce que je vais réussir à devenir compagnon. Ah, mais il faut vraiment qu'elle soit verte en entier, c'est ça, j'imagine. Oh, on est mal. Papa, tu fais dodo, c'est génial, mais par contre, après, il faudrait peut-être que tu répares la douche. Elle est bien enceinte? Ah oui, c'est vrai, j'ai pas vu. Non, mais attendez, je suis complètement dépassée. Hein. Je fais même plus attention à rien. Regardez, ça y est, c'est bon, j'ai perdu. Ah non, c'est là, c'est bien là. Vous êtes sûre? J'ai pas un ciel enceinte. Non, je crois pas qu'elle soit enceinte. Hein. Vous avez atteint le niveau 2. Merci beaucoup. Vous avez bien fait, hein, dis donc. Un gros chouchou, bien en beauté. Et vous montrez les émoticônes, hein. J'ai pas vu, moi. Non, par contre, ça fait deux fois que tu me fais le coup. Pourquoi tu poses tout par terre comme ça? T'es un peu spécial comme gars. On jette? Ouais, on jette, hein, je sais pas. Et puis après, on va boire un petit jus d'orange parce qu'on est malade. Attendez. Parce que maman veut plus partir de là. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de tables. Tu veux pas... Voilà, fais ça. Et toi, tu vas prendre un petit jus d'orange. Non, en fait, tu vas bien. C'est quoi ce truc? Tendre Sims se sent amoureux de quelqu'un à proximité. C'est trop beau. Va dormir. Bande de petites crottes. Oh, c'est joli, ça, dis donc. Le distributeur de nourriture. Ah oui, il faut le remplir. Oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Tout à fait, on va le remplir. Ah, par contre, définir la fréquence de distribution. On met quoi? 6 heures, ça me paraît pas mal. Du coup, t'es en pleine forme? Ok, allez, on attaque une petite journée. Merci, Katsy. Ah là là. J'ai tout le monde, là? Ah oui, ah oui. Oui, c'est bon, il y a tout le monde. Faudrait que je pense à peut-être à grandir du coup. Si j'ai bien compris, tu as adopté deux chats qui ont eu deux chatons. Tu as bien compris, Nami, c'est exactement ça. Parfait. Merci, Johanna. Distributeur de croquettes rempli, gamelle remplie, crotte de chat enlevée, douche réparée, toi manger, prends des restes, et ensuite petite douche, et tout est bueno. Et après, tu reprends ton paysage, qu'on libère la toile, parce qu'on va peut-être pas la perdre. On y va, c'est bono. C'est bono, c'est bono. 3 heures, ils sont 4. J'ai pas compris. Après toute cette mignonitude, c'est quand qu'on voit ma copine, la faucheuse. Mais pourquoi tu veux qu'il y ait une faucheuse qui arrive à ce moment-là? C'est pas possible, hein. J'ai commandé le chat, Angie. T'as commandé un chat? Où ça? J'ai loupé un truc? De quoi vous parlez? Oh, pardon! Pardon! Je suis toute à toi. Je suis désolée, Linou. J'avais pas vu. Je vais me faire un cappuccino, je reviens. Tu m'en fais un en même temps, s'il te plaît. Un petit pour moi aussi. Et Angie, le miaou. Oui, j'avais pas vu. Et normalement, Tony est là pour me souffler quand je loupe ce genre de choses. Mais apparemment, Tony s'est endormi. Que voulez-vous? On ne peut plus compter sur personne ici. Scusate, ma comincio a sentire la fatica. Ah, pardon, excuse-nous, nous ne voudrions pas te déranger. Sorry, chérie. Je veux la faucheuse à chaque live, voyons. T'es mignonne, mais c'est compliqué. Hein. Écoute, j'arrive à faire ça. Oh, bah, dis donc, un tout petit corps comme toi qui fait des si grosses crottes, c'est effrayant. Ouh, pardon, excusez-nous, on ne va pas la déranger. Elle est en train de faire. Et toi, tu finis ça, très bien. Les deux chats sont là, très bien. Tout va bien. J'ai envie d'un chocolat chaud, mais une flemme de me le lever. Oh, moi, j'ai que de l'eau, je suis triste. Oh. Ouais, c'est vrai, je vais éviter de parler crotte ce soir.
Promis. Ouais, je pense que je vais opter pour le nettoyage automatique de la litière. Ça serait très très cool. J'ai pas vu à combien elle est, mais là ouais. Et puis ça m'évitera de parler crotte. Si t'as fini, non t'as pas fini. Ok, toi t'as pas fini, toi t'as besoin de te divertir. Bof, bof, bof. Retournons à la charge. Ouais, on peut essayer de faire un bébé, de toute manière au point où on en est, on s'en fout. Hein. Un de plus, un de moins. Il n'y en aura pas plus dans le bidou. Hein. Allez, on y va. Non, mais bouge-toi. Je t'aime, mais va-t'en, on veut faire crac-crac. Oh, comment on fait? Prends dans les bras. T'es con ou quoi? J'ai failli. Ah, c'est bon. Non, faire un bébé. Laisse tomber. Plus. Non. Lâche la bête. Voilà. Et crac-crac. Non. Ça m'énerve, ça c'est le genre de truc, ça m'énerve. Allez, bon bah je débarrasse la table pendant que vous faites ça. Et si on faisait l'amour tout nu? Ah ouais, bah ouais, bah ils vont encore bloquer, il y a deux chats, ça va les perturber. Allez, c'est parti. Allez, bouge. Mais rentrez dans le lit, il va se pousser tout seul. Non, ça marche pas. Faire crac crac. Zou, et il retourne dans la cuisine, 3 heures plus tard, et on y retourne. Non, ça ne marche toujours pas. Oh, je sais. Oh, je sais. Hop, on y va. Là, au moins, on sera tranquille. Allez, on change de destination. Et la petite douche. Ah, oh, merci, Naomi. J'avais pas vu. Je crois que c'est ce que j'ai... Je me suis dit, mais en même temps, j'aime bien quand ils viennent sur le lit, mais j'y ai pensé à bloquer la porte de la chambre pour les chats. Mais en même temps, j'aime bien quand ils viennent... C'est très très... Ah puis alors, vous êtes 3 à me le dire, hein. Vous êtes tous du même avis. Ouais, je crois que je vais faire ça. Mais c'est tellement mignon quand ils viennent sur le lit en même temps. Vous ressentez tout l'amour que j'ai pour eux. Eh ben écoutez, c'est très très bien. Bon là, si on n'a pas un bébé, franchement, je sais plus ce qu'il faut faire. Oh, doucement, doucement, ça va trop vite mon jeu. Pas vraiment de signe. Hein. J'adore les petits bons qui font. Toi, va nettoyer ça. On arrête de boire n'importe quoi. Faut que je débloque les pièces là. Faut que je débloque. 5000. 5000. 5000, c'est bon, non? Ah ah. Ah non. Ah non, merde. C'est lui. J'allais dire, ah, elle est enceinte. Bah non, c'est lui. Ça va pas du tout. Bon, toi, tu vas beaucoup mieux. On va vendre ça. Vendre un collectionneur. Et toi, tu vas venir me faire des toiles, vite fait. Voilà. On fait une belle toile surréaliste. On s'en fout complètement. Toi, par contre, tu vas nettoyer. Oui, tu pues. Et bah, passe aux toilettes. Et ensuite, prends une douche. Allez, vas-y, t'as tout ton temps, là. C'est quand même... J'arrive mieux à les avoir dans le vert que Génération Leader. J'ai quand même beaucoup plus de mal avec Génération Leader. Là, ça va. Par contre, alors, Maddy, elle a toujours pas décidé de descendre. La maison est propre, la maison est rangée. En même temps, on n'a pas de gamins pour le moment. Oh là là, des gamins. J'ai enfin... Ah, oh, j'avais oublié. Tiens, merci, c'est gentil. J'ai enfin 8000 points. Mm-hmm, d'accord. Mets un lit pour les chats, alors. Tu veux que j'achète un lit juste pour les chats? Ça fait beaucoup, là, non? Ah, pourtant, on les a déjà vus. Hein. On les a déjà vus, là, se coucher dans le petit panier. Hein. Il y en a, hein. Qui veut A? Macao est malade. Ah, moi, ça, c'est dommage. Ah oui, il est malade. Bon, ah mince, je peux pas acheter de médicaments. Je peux commander des médicaments? C'est, je sais plus. Ah non, jus d'orange. On s'en fout. Manger un repas rapide et on va boire un jus d'orange. Allez, il se fait un petit jus d'orange et normalement il ira beaucoup mieux. Faut que je m'achète cette litière, ça va plus du tout. Le téléphone, ça marchait? J'en étais sûre. Bon, le jus d'orange aussi, ça marche. Nettoyer. Maman, c'est très... Oh! Oh!
Aurélie. Oh, regarde, elle a fait... Oh, je lui ai rien demandé, hein. Elle a fait une dédicace spéciale pour toi. Oh, c'est excellent. Oh, putain. Franchement, 1900. Ah, mais c'est vrai, on paye pas les factures. Ah ouais. Mais ouais, elle est super classe. Tant pis pour mon test. Qu'est-ce qu'il a ton test? C'était quoi ton test? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que t'as fait, Virginie? J'ai pas vu. Ah, puis j'arrive pas à remonter. Ah, ton test de grossesse, ah d'accord, ok. Ah, oh, sorry. Vends pas la toile. Ah, je sais pas. Vous avez vu un peu ça? C'est pas la classe, quand même. Oui, alors, j'en étais. Par contre, garde la toile. Elle coûte combien? Ah bah ouais, je vais la garder. Elle m'a coûté 100 simflouzes et je peux la revendre que 67. C'est une croûte. C'est une stupide croûte. Je vais la mettre en tête de lit. Elle est toute pourrie. C'est une petite croûte toute merdique. Ce n'est pas une crotte, c'est une croûte. Voilà, toute la différence. Par contre, attendez les amis, là, faut que je me concentre. Faut faire du calcul mental. Il y a des doubles fèches au niveau de la fin. Bienvenue pour ton follow. Fatima, bonsoir à toi et bienvenue pour... Et merci pour ton follow. Franchement, Anthony, merci. Et sois gentil avec cette croûte. Je vais essayer. Non, attendez. Chut. Faut que je fasse un truc, je sais plus c'est quoi. Donc, payer les factures. 1902. Oh, c'est trop dur. Putain. Ce qui fait plus 5100, ça fait 6000. Non. Ça fait 6002. Mais non, ça fait pas 6002. Paye les factures et ajoute 1901. Bah non, 1902. Oui, mais si j'ajoute, c'est pareil. Il faut que j'ajoute, faut que je... Bon, alors, je paye les factures. Paye les factures et tu écris monnaie 5000. Ah, mais oui, je suis con. Mais quelle icône, celle-là? Oh, je suis trop con. Ah putain, je voulais faire un calcul. Merci. Oh, Alexandre, tu m'as sauvé. 5154. Putain, c'était pourtant très très simple quand même. Ah, 5154. C'est ça, hein. Wesh. Ben ouais, c'était tellement simple. Putain. Ah, c'est vrai. Tout... Ah, mais Cassie, comment je suis rassurée. Check. Mais non. Oui, dans le challenge, je crois que... Bah, c'est parce que la bâtisse, elle est énorme. Donc, du coup, vu que c'est un challenge où tu pars avec aucun argent dès le départ, du coup, dans le challenge, il était marqué que tu payais pas les factures. Ça va de soi, parce qu'en plus, tu utilises que certaines pièces. Donc, par logique, c'était normal qu'on paye pas les factures. Mais normalement, il y avait un code à l'époque. Et là, le code... 7056. Merci, Défira. Ben oui, je me disais, ça faisait pas 6002. Parce qu'en fait, c'est Tony qui m'a soufflé ça. Il se moque de moi, en plus. C'est pas vrai. Si. En plus, je sais que t'es super bon en calcul mental. Donc, tu l'as fait exprès pour que je passe pour une cruche. C'est ça? C'est ça, hein? Bon, sinon, tant qu'on y est... Ouais. Tant qu'on y est, j'ai très envie, du coup, de peut-être avancer un petit peu au niveau d'un achat de pièces. Je crois qu'on va prendre celle-ci, hein. Vous en pensez quoi? 400 et 500. Attendez, au niveau du jeu, on en est à 5000. On se prend une pièce ou on se prend deux pièces?
Ouais. Vous êtes pour quoi ? Deux ou... Est-ce que je prends juste celle-ci ou est-ce que j'en prends carrément deux ? Je prends aussi celle-ci. Comme ça, on a presque tout l'étage. Parce que je vais pas prendre carrière niveau 6 à 1000. Deux pièces, deux pièces. Ça laisse réfléchir. Porte l'eau, porte la vie. Ah bah vous êtes vachement pour les deux. Ok, bah vous, vous réfléchissez pas, vous êtes à fond. Donc c'est 900 simflous que je dois retirer. Dakodak. Bon là, il faut que je fasse un calcul par contre. Qui même me propose ce calcul? S'il vous plaît. Du coup, monnaie moins... monnaie 5000, ça fait 4154, ça fait 4254. Je crois que c'est ça, hein, si je me plante pas. Si je retire 900, on est bon là. Ouais. Azerty, tu te déchires. Ok, donc là on a retiré 900, on peut s'acheter. Alors, on peut s'acheter déjà les lumières qui vont bien. Enlever ce code, ça, on se met la petite loupiote, one ici, et ça, c'est le milieu. Oui, c'est tout à fait le milieu. Nous sommes très très bons, nous sommes excellemment bons. Et qu'est-ce que nous allons faire? Je ne sais point, je ne sais point, je ne sais pas, et je reste plantée là. Non, 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 non. On a une chambre, ok. La cuisine, en fait, je l'aurais pas forcément mis là, mais bon, maintenant, elle est en train de prendre place ici. Je me dis que pour le moment, pourquoi pas. Bah, alors, que faire? Bah, si on a un bébé, forcément, on aura peut-être une chambre de bébé. Et bah, là, on va se débloquer, c'est juste, ça va nous donner de la place, quoi. Est-ce que je reprends un tapis pour les chats? Est-ce que je reprends des trucs pour les chats? Je sais pas. Peut-être une litière. On m'en a parlé de litière. On va s'acheter une autre litière parce que celle-là, elle commence à me gonfler. On va prendre le scanner laser. Celle-là, elle marche, hein, je crois. Hein. On est bon avec ça, là. Ouais. Hop là. Ça, ça dégage. Et je vends avec les crottes. Hein. On est bon. Du coup, comme il y a l'escalier, tu as le couloir en haut. Ah oui, bah c'est vrai, mais que du coup... Bah, attends, mais... parce qu'il faut l'acheter, le couloir en haut. Hein. Je vous remets, parce que je vous ai enlevé. Mais le couloir en haut... Ah ouais, il faut que je le paye. Bon, en même temps, ils vont pas monter en haut pour rien. Ou je suis obligée de le payer. Ce serait vraiment très con s'ils montaient en haut. Tu vends pas les followers. Mais pourquoi tu me dis ça? Il y a une folie. On a perdu Cassie. Les lois ne font plus les hommes. Chambre pour bébé, ouais. Tu vends les crottes avec, t'as dit. Ah, pardon. Ah oui, d'accord. Ok. Oui, oui, oui. Non, non, je vends pas les followers. Non. Je vends juste les crottes. Bon, bah pour le truc, on verra. Hein. Ça, c'est pas bien grave. Normalement, il risque pas de monter, je pense pas. Mais effectivement, il y a le couloir d'en haut. Faudra que je pense à le débloquer. Bon, ma gamelle. C'est pas du tout une gamelle. On s'est compris. Ça, ça va là. On verra bien. De toute manière, pour le moment, il n'y a pas encore bébé. Mais il y a de grandes chances qu'on ait besoin d'acheter des trucs pour bébé. Je sais pas s'il faut des choses ou pas. La chambre du bébé. Quoi, vous voulez acheter tout de suite la chambre du bébé? Non mais je te rassure Cathy, hein, mais tout à l'heure j'ai posé la question parce que moi aussi je me rappelais pas si on s'était mariés, donc c'est pour te dire. Hein. Ce qui est plus con c'est de monter en bas. Oh c'est facile celle-là, je la connais, oui oui oui, je sais. Hein. Non quand t'auras un enfant, ouais parce que ça se trouve j'en aurais pas, c'est ça. Bonsoir Lully, bienvenue. Ça marque jamais les mariages. Et comment tu veux voir que c'est marqué? Je comprends pas. Non, pourquoi je refais ça? Non, 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 c'est bon. Bah écoutez, je pense qu'on est bon là. Le bébé, faut pas le mettre en bas, sinon il pourra pas monter.
Non, faut le mettre en bas, sinon il pourra pas monter. Non mais de toute manière, il va pas partir. Tu veux qu'il parte où, le bébé? Il reste à la maison. On est tous en train de se casser la tête, là. Mais pour le moment, le bébé, il reste ici. Toi, t'as fini tes petites toiles ou pas? Viens me faire ça. Ah non, c'est vrai, on avait fait une... Ah oui, si, elle a fini. Bon, on va s'en refaire une pour le plaisir, puisqu'on n'a pas vendu l'autre. Et qu'on a quand même besoin d'un petit peu d'argent, hein, c'est pas pour dire. Ça serait bien qu'elle coûte un peu plus cher que Madame la Croûte. Et se demander, non, je veux pas te rendre... Oh, elle est en train de faire un beau portrait. Toi, non, pas toi, toi. Non, pas toi, oui, toi tu nettoies. Très bien, nettoie. Et du coup, tu t'en sors comment? Très, très bien. Très bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Non, on joue pas dans... Non, sermonné, on boit pas dans une flaque. En même temps, c'est vu qu'elle a pas de gamelle, elle peut boire. Hein. Et oui. Toi, ça serait bien aussi. Fais pas tes griffes. Allez, on sermonne tout le monde. Le pauvre, il passe sa vie à faire ça. Toi, ça va, c'est bien. On va te caresser. Voilà, occupe-toi de toute la famille. Tout le monde y va bien. Tout le monde, il est content. Qui on n'a pas vu? Patoune, elle fait encore dodo. Patoune, elle est très... Le petit machin qui se balade. Grandissez pas, s'il vous plaît. Je vous kiffe trop. Faire un câlin. Fais-lui un câlin, s'il te plaît. Super! Alors, oh, on a fait un chef-d'œuvre. Ah bah voilà! C'est quand même autre chose que de peindre une petite Aurélie, hein? 1172! Yes! Oh, on est bien. Ensuite, maman, elle va pouvoir manger un petit truc, prendre des restes. Cuisiner avec amour par papa. Et après, on s'attaque au chat, là. Après, on fait câlin, 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 beaucoup. Beaucoup de câlins. Embrasser. Caresser. Moi, je veux bien qu'elle me saute dans les bras, mais elle n'a pas du tout envie de me sauter dans les bras, Cathy. Hein. Je comprends pas c'est quoi cette histoire de sauter dans les bras. Hein. Bah, t'as pas mangé, ma chérie? Elle a reposé sa salade? Bah, et quelle est bête. Bon. Joli tableau. Le mien de mariage m'a marqué, c'était le gros chaos. Ah! Mais non, mes beaux-parents se sont engueulés, ma belle-sœur a failli accoucher. Waouh! Ah bah au moins tu en gardes un souvenir. Tu vois, c'est ça le truc, c'est t'as un souvenir. D'où tu l'appelles la croûte? Elle est belle cette toile. Oui, elle est belle. Recevoir de l'amour. Donne-moi beaucoup d'amour que je t'en donne un petit peu, puis après... Mais elle a mangé ou pas? Je comprends rien. Par contre, j'ai l'impression qu'elle n'est toujours pas enceinte. Hein. Je crois que je vais aller faire mon test de grossesse, hein, sinon Virginia va m'en vouloir. C'est quand même dommage, c'est qu'en tête de lit, on ne voit jamais le beau portrait d'Aurélie. Bah... Ah bah si, comme ça on le voit mieux. Regardez. J'ai envie de dire... Bon, il n'est pas centré, je reconnais. Mais c'est de toute beauté. Lui, il passe sa vie à peindre des toiles. On lui demande rien, mais il passe sa vie à peindre des toiles. C'est très, très bien. Et on va faire un test. Il y a marqué vomir, quand même. Allez, on le fait. Copyright. Quoi, copyright? C'est quoi, ça? Je suis choquée. J'ai pas compris. Déjà décalé 4 fois. Oh, ah ouais, ça c'est pas cool. Hein. Proposer de sauter dans les bras, c'est une proposition. Quand tu cliques sur le chat, t'as juste pas vu. Attends, dis-moi pas qu'elle y est depuis tout à l'heure. Ah, je suis pas ouf, elle y est pas. Hein. Encouragée à s'accoupler. Oh, elle y est. Oh non, mais... Ah. Oh non, son ventre, il a poussé d'un seul coup. Bon, bah, elle est enceinte. Chérie, j'ai une bonne nouvelle. Oh, je suis trop content. 4 chats et un bébé. Oui, sentiment obtenu. Tu es tellement drôle. J'adore passer du temps avec toi et j'espère que c'est réciproque.
Ah, ça t'a fait rire, toi? Bah, c'est bien. C'était pas une blague, en fait, hein. Vraiment, je suis enceinte, hein. Bon, c'est bien beau. Mais maintenant, allez, maintenant que j'ai trouvé l'action, s'il te plaît, fais-le. Elle va plus vouloir parce qu'elle est enceinte, tu vas voir. Ah non, c'est bon. Oui. Oh, Liora, tu es un amour. Tu n'as pas oublié de me transformer en avocat. Le troisième guacamole time. My God. Et mon chat qui veut pas me sauter dessus? Bah, viens, saute-moi dans les bras. Je crois qu'elle a... Elle est légèrement bloquée. Tu es coincée, ma chérie? Saute. Prends dans les bras. Ok. Et maintenant? Non, mais non! Bah oui, bah forcément, elle va pas sauter dans tes bras. Elle est déjà dans tes bras. Lâche! Ok. Ouais, c'est la soirée guacamole, tu m'étonnes. Chérie, j'ai une bonne nouvelle. Ta fille que tu avais avant, que je ne brise pas ton... Mais oui, j'ai compris! Que je brise ton mariage, bah elle va avoir une demi-sœur. Mais c'est exactement ça! Exactement! Je sauvegarde. Mais non, Cathy! Non, je me prépare pas du tout. C'est mon tour le prochain. Je veux pas abuser pour ce soir, alors je te laisse un peu de répit. Oh, oh, oh. Je suis ravie! Oui, j'ai vu ça. Vous étiez hyper synchro. J'ai cru que vous étiez passé le mot, hein, tous les deux, en aparté. Devenir! Devenir! Oui! Même pas besoin que tu me sautes dessus. C'est moi qui te saute dessus. Allez! Oui, ça y est, on a gagné. Et alors? Étape terminée. Yes, on avance, on avance. Putain, être compagne de deux animaux, faut que je recommence tout. Faire connaissance, c'est qui? Patoun. Allez, on se fait Patoun. C'est un complot. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi c'est un complot? Non, mais sans déconner. Mais arrêtez, vous me rendez ouf avec vos commandes. Oui, je sais, j'en ai quatre, j'ai le choix. Je te rassure, 1500 mocos pour que tu aies le droit à l'avocat de ma part. Bah, ah ouais. Ah bah non, mais moi je les connais pas, hein, ces étapes-là. Ah, tu connais? Ah bah non. Ah non, non, mais moi je suis totalement novice dans les animaux. Chérie, il y a un truc, il y a un blème là. Arrête de sortir ça. Patoun. Quand même. Patoun. Non, Fabouille. Patoun. Ah, Patoun, elle fait rien. Non, non, toi tu... Sermonée. On joue pas dans les ordures, chérie. Voilà, très bien. Je vous demande de vous arrêter. Oui, je vous demande de vous arrêter. Toi, tu fais ça. Toi, ensuite, tu peux dire peut-être... bah, rien. Lui fais rien. Va dormir, ok. Toi, t'en es où? Bon, t'as fait caca, Patoun. Oh, je crois qu'on va passer sur Fabouille. Hein. Bafouille. Je sais plus comment elle s'appelle. Fabouille. Finalement... Oh, je sais pas. Je sais pas laquelle... Allez, on part sur... Non, ça va pas du tout. Caresser. Ça va pas du tout, papa. T'as fait des bêtises. Réparer. Oh, j'adore la litière. Excellent, excellent, excellent. Et faire un câlin. Attendez, tu veux pas sauter dans mes bras? Non, elle ne peut pas parce qu'elle est trop petite. Ou alors peut-être au peu, je ne sais pas. Oh,
On va la féliciter aussi. Papa, excuse-moi, hein. Je t'ai juste demandé d'aller réparer quand même les toilettes, parce qu'en plus, maman est enceinte, elle a très envie d'aller aux toilettes. Reviens ici! C'est ici que ça se passe, écoutez-moi, ça ne va pas du tout. Je suis perdue. Je suis en train de vous rattraper, excusez-moi. Quatre fois de suite, non. Qui est malade? Sapa, elle est éternue sur le chat. Elle est malade, c'est vrai? Ah ouais, mince. Ok, on va s'occuper d'elle. J'attends que les toilettes soient réparées. Massim s'est couverte de crottes? Mais pas du tout. Massim se va très très bien. Allez, le Covid! Louise, c'est son prénom. Oui, c'est son prénom. Pourquoi? Eh mais ça y est, je comprends plus rien. Et un petit jus d'orange et c'est reparti. Exactement. Pourquoi ma gamelle fume? Oh mais non, mais c'est nul. Gamelle qui fume, gamelle qui pue, quoi. Amener l'animal pour qu'il vienne manger. Bah non, remplir à nouveau, hein. Quoique, je sais pas. Peut-être qu'on n'avait pas besoin. Bon, en tout cas, elle s'en sort très très bien. Elle lui fait plein de câlins. À un moment donné, faut que t'arrêtes. Voilà, fais pipi comme une championne. Ensuite, un petit jus d'orange. Manger un repas rapide. Petit jus d'orange. Papa, si t'as... Pourquoi elle fume encore? Bah, je comprends pas. Non, mais toi, tu fais des demi-actions, là. Ah, d'accord. Ok. Non, alors en fait, elle a commencé sa première goutte, ensuite elle... Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il a pas de prénom. Non, il a pas de prénom. C'est juste... En fait, si t'avais fait pipi, d'accord. Elle a fait un pipi très très rapide. Je pige pas. Je comprends pas ces Sims. Je sais pas. La gamelle fume toujours. Ok, elle a tout pété, encore une fois, d'accord. Et elle a pas du tout bu son jus d'orange, d'accord. Ah si, c'est bon. Je ne comprends plus rien. On m'a pas dit à un moment donné de sauvegarder. Je vais sauvegarder quand même, hein. Tu as déjà joué au jeu Plan Zoo? Non, non, je l'ai pas. N'oublie pas de sauvegarder. Bah oui, mais les croquettes... C'était une blague. Excuse-moi, j'allais rebondir. Elle est allergique aux poils de chat, peut-être, peut-être. Peut-être que c'est ça, effectivement. Bah déjà, elle va dormir. Oh non, il y a encore des griffures. Ah bah voilà. Bah là, ça se voit pas. Bah écoute, ça ira. Ah ouais, ce film, il est excellent. Excellent. Lui, s'éclate, il est content. Et surtout, cette scène est excellente. Bon, bah écoute, j'ai envie de te dire... qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu... Elle change de côté. D'accord. Ça, tu peux vendre. Et toi, tu peux aller dormir. Allez, dodo tout le monde. Ça sera très très bien. Tu mangeras mieux demain. Ah ouais, mythique. J'ai pas vu le chat incrusté dans la couette. Non, mais par contre, c'est n'importe quoi. Il y a tout qui se met à puer. Je sais pas ce qui se passe. Elle a pas fini de dormir. Ah, ok, ça l'a dérangé. Elle s'est dit, il a fait les choses à moitié, ça me va pas. Oui, tu pues des croquettes, ouais. Mais j'avais pas... J'ai remis des croquettes remplies, mais je pensais qu'il allait nettoyer les croquettes qu'il y avait. Bah, apparemment, non, pas du tout. Hein. Il avait pas du tout envie de faire ça. Non, mais arrêtez de me faire...
Je sais pas pourquoi. Ils veulent pas dormir ensemble, là. Pourtant, ils ont fait un bébé, quoi. Et là, ce coup-ci, vous pouvez pas me dire, c'est parce qu'il y a la radio. Non, il n'y a pas de radio. T'es sûr, t'as fini, là? Oui, elle a l'air d'avoir fini. Ok, elle a fini, et je crois qu'elle part au travail. Bon, bah, comme ça, c'est fait. Elle part au travail, elle va pas trop mal. Et papa, par contre, toi, tu vas commencer par nettoyer ça. Et ensuite, bah, tu vas manger un petit truc. 5113. Quand est-ce qu'on accouche? J'ai pas fait gaffe, du coup. Mais je pense pas qu'on accouche ce soir. On va profiter de nos bébés chats. D'ailleurs, eux, ils vont grandir super vite, je suis sûre. Mes bébés chats, moi, je veux pas qu'ils grandissent. Vous parlez du jeu du zoo, là? Moi, je sais pas, et je trouve ça super mignon, mais c'est un truc, ça m'attire pas du tout. J'ai trop du mal avec ça. J'ai peur de pas réussir à gérer, en fait. Trop de construction. Trop de construction à mon goût, et vous connaissez mon amour pour la construction. Par contre, il est super joli. Oui, j'oublie pas de sauvegarder, mais j'ai déjà... Arrêtez, je vais faire planter mon jeu à force de sauvegarder. Le pauvre, il a jamais autant sauvegardé de sa vie que là depuis quelques temps. Avant, je sauvegardais jamais. Parce que j'ai jamais eu de bug aussi, c'est pour ça. Enfin, depuis que j'ai mon nouveau PC, hein, parce qu'avant, sur mon PC portable, je sauvegardais sans arrêt. Mais voilà. Ah, je regardais pas le bon. Ouais. Et t'as vu, j'ai pas encore eu de plantage ou de trucs comme ça. Hein. Non, ça va, on n'est pas dans les trucs terribles. Je sais pas c'est quoi cette lumière là qui passe. Pourquoi j'ai un truc qui fait ça là? Vous le voyez ou pas? C'est chelou. Bah si là, slung, slung, slung. Il pète un câble mon jeu. Il me fait des effets de lumière. Bon bah c'est bien. Et bah joue avec quelqu'un. Pourquoi les actions? Ah voilà. Vas-y. Un petit pointeur laser avec Patoune. La pauvre Fabouille, on joue pas du tout avec elle. Hein. Y a que Patoune qui a le droit à ce qu'on s'occupe d'elle. Patoune. Ça y est, t'as fini? Excellent! C'est vrai qu'on pourrait regarder longtemps comme ça. Hein. C'est trop mignon. Ça se trouve, je vous ai tous perdus, mais moi, je suis à fond dedans. Moi, mon chat, je lui fais ça, c'est clair qu'il réagit pas pareil. Je crois qu'il est saoulé au bout de 2 secondes. Ah si, la dernière fois, il m'a fait kiffer. Il a joué tout seul avec un rouleau de PQ. Il l'a fait valdaguer partout dans la maison. Mais voilà, c'est quand il veut et avec ce qu'il a envie. Tu me refais une galipette, s'il te plaît? J'aimais bien la galipette. Ouais, c'est l'amour en barre, tu m'étonnes. Ah non. Ah bah si, du coup, ça y est, je viens juste de calculer. Ils ont la petite queue de maman. Enfin, elle a la petite queue, et l'autre... Moi, je l'ai pas vu avec une grosse queue. Non, c'est une petite queue. Parce que papa, il a bien... Ouais. Donc, du coup, c'est vraiment le portrait craché de maman. C'est pas du tout un mélange. Vite ça, s'il te plaît. Enfin, c'est un peu beaucoup, quand même. Et ensuite, eh ben, on va attendre que maman rentre patiemment, gentiment. Peut-être que tu peux me faire un petit truc à manger. Cuisiner. On va cuisiner. Est-ce qu'on tente quelque chose de dangereux? Des faux sandwichs, hein. Je crois pas que ce soit dangereux. On évite les ramen puisqu'on m'a dit que c'était bloqué. On pourrait faire des tacos, mais en même temps on en fait tout le temps. Des pancakes. Oh, on peut faire un petit poisson. On va faire un tilapia. Allez, c'est parti. Les chevaux des Sims 3. Ah, j'étais retournée. Enfin, j'ai découvert ça. C'est pas vrai, mais il a un problème avec la poubelle, lui. J'ai découvert ça, les Sims 3, il n'y a pas longtemps, les animaux. On l'avait fait en live. Et franchement, c'est vrai que c'est trop mignon. Par contre, j'ai trop du mal avec la caméra des Sims 3. Je perds patience dessus. Je crois que c'est le truc qui me... Les graphismes, ça passe. Par contre, la caméra
qu'on n'arrive pas à gérer, j'ai plus de mal. Du coup, ouais, j'ai trouvé ça très joli, les animaux. C'est vrai qu'on avait plein de choses à faire et puis il y avait plein, une vraie diversité au niveau des animaux. Bah oui, bah jette, hein. Je t'ai demandé de jeter en même temps. Je sais, je l'ai vu tout à l'heure, mais quel... Bah, pourquoi cette poubelle... Qu'est-ce que c'est que cette poubelle? Il me renverse ma poubelle, mais je peux plus la remettre. Ça fait deux fois, hein. Et je crois que je peux pas la bouger. C'est nul, regardez, je peux pas la remettre. Je me fais arnaquer d'une poubelle à 124 simflouz à chaque fois. Je pige pas. Pourquoi je peux pas? Oh! Elle est debout! Ok, ok, ok. La poubelle est debout. Ok, super. Ça, c'est bon. Alors du coup, maintenant... Non! Tire-toi! Non! Et pourquoi on peut pas sermonner? Dégage. C'est mon assiette. C'est mon poisson. Ouais, 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 ouais. Et bouge ton petit cucu qui est dans mon assiette, là. Allez, dépêche. Ah, il vient de devenir ami. En attendant, il m'écoute pas du tout. Bah ouais, c'est compliqué maintenant. Allez, tu ranges. Ensuite, tu vides maintenant que c'est bon. Et ensuite, tu retournes aux toilettes. Pire qu'une femme enceinte, celui-là. En plus, du coup, il avait pas faim, non? Bah, je sais pas, il a plus faim. Il a plus faim. La poubelle vivante. Non, mais franchement... Non, mais tu te fous de moi. J'ai l'impression que si on enchaîne deux actions, ils veulent plus. Jeter. Vas-y, lave-toi les mains. Ok, ok, ok. Jette. Non, je joue pas dans les ordures, je t'ai dit. Ok. Vider. Ah ouais. Ok. Bah, jette. Bah, il comprend pas. Encore? Ah ouais, mais c'est un budget, hein, si je dois à chaque fois acheter une nouvelle poubelle. Si je la remets là, il peut faire quelque chose? Non, il peut... Pourquoi il la détecte pas? On retente. Allez, on retente, on sait jamais. Ah, ben non. Là, il veut même plus en entendre parler. Si je l'enlève, en fait, elle se vide pas automatiquement, la petite? Non, je sais plus. Je sais plus quoi faire. Il arrive pas à atteindre la poubelle extérieure, en fait. Bah, et oui, mais il est très très con, alors. Prends la benne, elle coûte... Elle coûte cher, mais elle peut pas être renversée. Ouais, mais une benne sur mon terrain, quand même. J'en suis arrivée à ça. Je dois y aller, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée, Cocox. Merci d'être passé, ça fait super plaisir. C'est un bug de poubelle, je pense. Ah ouais? C'est pas moi la benne. J'ai pensé à toi en plus. Bon bah ouais, mais elle peut pas être renversée. Ouais, mais ok, mais putain, une benne quoi. Je vais me prendre une benne. Des bisous à Cocox. Prends la poubelle automatique à l'intérieur. Ouais, c'est ce que j'ai pensé aussi. J'étais en train de penser à ça. Je suis en pleine réflexion, mais je pensais aussi à ça. Celle qui fait gagner de l'argent, là. Oh! Ça fait quoi, celle-là? Ah bah, je la connais... Ouais, la poubelle auto, elle est où? Boîte aux lettres? Ah, la meuf, elle découvre tout maintenant. Mais elle est pas là. Ah bah non, elle est pas là, la poubelle. Je suis complètement perdue. Cuisine, alors. Oui, elle est là. Je sais pas ce que ça fait, la poubelle de recyclage. Elle marchait pas. Oh, bah, ok.
Bon, bah, on va partir sur la poubelle comme ça, alors, parce que du coup... Et celle-ci, il la renverse aussi, tu crois? Ça se trouve, celle-là, il la renverse pas? Non, mais j'ai pas me foutu une benne, les gars. Oh non, je suis deg. On a une poubelle à 1200 simflous, faut pas déconner, mais à cette allure-là, si on vend les autres aussi, ça va nous coûter 1200 simflous, ça c'est sûr. 185 déjà. Bon, bah, on fait ça, alors. Ouais, mais bon, 1200 simflous, la poubelle, quand tu vois dans quoi on vit, excuse-moi. Hein. Ça le fait pas vraiment, vraiment. Hein. Et pour la peine, je vends celle-ci. Voilà. Derrière la maison, la benne... Ah, bah, en plus, après, il faut qu'ils courent jusque derrière la maison. Bah, là, ils courront pas. Et effectivement, on va gagner beaucoup d'argent. Hein. C'est de la triche. C'est de la triche. Du coup, tu m'as bien fait à manger. Ouais, il a fait à manger, il a tout fait, il va bien, il est content. Eh ben, joue avec tes chats et puis nous, on attend maman. C'est une fois, c'est tout, quoi. J'avoue, c'est cher, mais bon, au moins, t'es tranquille. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, bien sûr. Ah, pour la poubelle, ouais. C'est pas de la triche, c'est le jeu qui bug. Oui, non, mais j'aurais préféré avoir ma vraie poubelle où ils doivent sortir les poubelles. C'est mieux quand même, je trouve. Et puis là, elle jouera plus dans les ordures. C'est clair que c'est réglé. Hein. Ouais, niveau budget poubelle, franchement, c'est pas tout à fait réaliste. Bonne soirée, Isenalis. Et puis, merci d'être passé. Bisous à toi. De toute manière, nous, on va pas tarder. Ah mince, Lucie, j'avais pas vu ton message. Ouais, hein, je crois pas que celle en pierre elle soit renversée du coup. On aurait pu tenter comme ça. Bon, bah, écoute, hein. Oh, coucou, Lilou. J'arrive en retard. Mais sinon, ça va. Bah, ouais, ça va. Oui, oui, t'es un petit peu en retard. Mais en tout cas, ça fait plaisir de te voir. Enfin, pour nous, il n'y a pas de retard. C'est surtout qu'après, réveillez Patoun. Oh, bah, non, on va pas réveiller Patoun. Par contre, toi, t'as adopté faire câlin. T'as loupé qu'on a eu les bébés, chat, deux. Et qu'on est tombé enceinte. Et qu'on a fait le portrait d'Aurélie. Voilà. Je l'ai jamais vu renverser, ouais. Comme quoi, il y a des côtés qui sont très réalistes dans le jeu. Hein. On dirait pas comme ça. Hein. C'est bien. Alors là, franchement, cette action est très intéressante. Faire un câlin. Non, quand elle est sur le lit, je crois qu'elle est bloquée. Hein. Prends dans les bras. Ouais, on va bloquer la chambre parce que du coup, elle est complètement bloquée sur ce lit. Elle fait rien d'autre de sa vie. Allez ici. Viens ici. Maman est rentrée. Ok. Du coup... Ah oh, bah attendez, mais j'ai même pas débloqué. Verrouiller la porte pour tous les chats. Et ça, j'ai pas débloqué. Débloqué. Et ça, j'ai pas débloqué. Débloqué. Super. Maman, elle est ravie, elle vient de rentrer. Oh là, elle est partie direct dans la douche. D'accord. Du coup, j'aimerais bien juste pouvoir avancer un petit peu. Elle travaille dans 16 heures. Être compagne avec deux animaux. Réussir à corriger quatre mauvais comportements. Oh non, j'ai déconné, j'ai corrigé avec le père. Oh, j'ai fait que des conneries. J'ai fait que des conneries. Trois voix contre vous, Angélique, vous êtes le maillon faible. Ah ouais, là, j'ai déconné. Hein. Ah, j'ai loupé beaucoup, alors. Bah, ouais, juste ça, quoi. C'est pas beaucoup, mais c'est un petit peu, quand même, beaucoup, quoi. Ouais, je suis le maillon faible, hein. Gratter l'endroit préféré. Ah bah tiens, je vais recevoir de l'amour. Déjà, ça va m'aider. Voilà. Quoique, avec elle, on a du mal à faire... Qu'est-ce que t'as? T'es encore bloqué? Un couloir et tout va mal. J'ai l'impression que tous mes chats sont bloqués. Oh. Oh. Prendre dans les bras. Tu donnes de l'amour, là, ou pas? Comment ça se passe? Allez, vas-y, tu peux le faire. Non, elle peut pas le faire. Fais-le, s'il te plaît, j'ai pas de temps à perdre.
Je suis enceinte, je suis au bord de la rupture de la vessie. Regardez comment elle me regarde. Patoun, elle est passée de genre « Et moi, alors je peux te faire un câlin ?» Voilà, très très bien. Si vous pouviez faire des petites conneries que je vous réprimande, ça serait super cool aussi. Non, Patoun n'a fait pas de conneries. Est-ce que je peux... Non. Elle veut pas me sauter dans les bras, la petite, c'est normal. Pitié qu'il ait des jumeaux. Non. Oui, les triplés, ça existe, mais je peux pas. Parce que j'ai trop de chats. Yes. Ok, c'est bien. J'augmente avec tout le monde en même temps. Moi, je fais tout en même temps, là. Je l'ai dans mes bras. Je gère tout le monde. Ah, ça me divertit. Excellent. On est bon, là. Et ensuite, il faut juste que... C'est rare, les triplés. Oui, mais ça arrive, hein. Ah ouais, quand c'est un chaton, ça marche pas. Oh non. Angie, mon portrait, c'est quelle toile? Bah, c'est ça, c'est cette croûte-là. C'est ça. Non, on vire pas les vieux chats. T'es... Non, mais ça va pas ou quoi? Je garde mes chats. Utilisés. Allez, va faire pipi maintenant. Patoun, ça augmente, ça augmente. Ça augmente, mais c'est pas encore ma copine. Et puis plus personne ne fait de bêtises du coup. On est vraiment mal. C'est quel type de toile? Ah, c'est quel type de toile? Rien d'exceptionnel, j'ai envie de dire. Une toile surréaliste. Ça, surréaliste, voyons. Ça coule de source. C'est surréaliste. Une Aurélie est surréaliste. Pourquoi vous voulez vous la refaire, c'est ça? Vous êtes tombé en amour. Quelle est ma Patoun? Attendez, je suis perdue. Patoun, Patoun, c'est laquelle? Patoun, c'est toi. Patoun, fais connaissance, caresser. Ah non, elle va vomir. Oui, hormis une croûte. Qui n'est pas une croûte. Plutôt vrac. Vassarelli. C'est quoi ça? Des comiques, hein? Tu vas faire comment pour le troisième enfant? Bah, il y aura une copine à Aurélie qui va venir, forcément. Il y a peut-être un chat qui va mourir, non? Je sais pas. Recevoir de l'amour. Patoun, elle veut me faire de l'amour. Elle veut me faire de l'amour. Attends. Ah, oh. Je peux pas le réprimander. Ah non, dommage, il a juste peur. Vas-y, fais une bêtise. Lui, il appelle tout le monde à table. Mais d'où tu te permets d'appeler tout le monde? Ah, il a fait un plat tout seul sans que je lui demande. Il a fait des tacos, excusez-moi. Et en plus, il a appelé tout le monde à table. Pour une fois que c'est pas un Sims qui fait à bouffer pour lui tout seul et qui bouffe pas. Alors là, je suis choquée. Oui, oui, monte, monte, vas-y, oui. Réprimander, sermonner. Wow, 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 wow. Sermon, lâche ton assiette. Vite, sermon, sermon. Tu manges pas, tu touches pas. Allez, hop, on y va. Mais tu vas où? Mais non. Mais non, viens ici, il est en train de bouffer l'assiette. Impressionnant. Oui, impressionnant. Allez, et on l'enlève là. Oh, raté, j'en ai eu qu'un, je suis dégoûtée. Deux? J'en ai eu deux ou pas? Je sais pas ce qu'il a fait, il a fait un lever de patte, on range et on mange. Ah non, ça y est, elle est encore malade. Eh ben écoutez, je suis contente, j'en ai eu un au moins. Un sur quatre. Après, bon, on a les deux chatons, à mon avis, ils vont faire des conneries. Patoun, tu voulais pas faire quelque chose, là? Tu voulais pas me donner de l'amour? Non, elle veut plus rien faire. Patoun adore. C'est bien. Et toi, papa, tu sais quoi? Tu vas ranger ça, nettoyer. On est bon, là? Non, mais sérieux. Elle est juste magnifique, cette toile. Mais oui, qu'elle est belle. Ok, je reconnais. Elle est
hyper belle. Mais j'aime bien faire chier Aurélie. Va la mettre dans une de ses familles, on pensera à toi. C'est clair, c'est la signature Aurélie maintenant. C'est vrai? Ah bah tant mieux alors, Cathy. Je me posais la question, mais t'as vu, j'ai quand même mis le plat dans le frigo. Hein. Rien à foutre, on gâche pas. On a déjà gâché des poubelles, on va pas gâcher des assiettes. Hein. Bonsoir, mademoiselle Mélanie. Oh, 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 reviens ici. Ah, non, bon, d'accord, elle veut peindre. Oh. Écoutez, mes Sims, ils sont apparemment hyper actifs et autonomes. Je sais pas, ils font tout ce qui est... tout ce que, normalement, ils devraient pas faire, ils le font. On est contents? Ils vont peindre tout seuls, ils se font bouffer. Oh, tu sens la fatigue, Cassie? Oh, bah, Cassie, tu peux aller te coucher. Oui, je vais sauvegarder, parce que de toute manière, je vais m'arrêter aussi. Je pense que je t'embête... Cassie? Plus que l'inverse. Oui, oui. C'est terrible. Il n'y a pas de souci, Cassie. Dormir. Regarde, lui aussi va aller dormir. J'en peux plus. J'en peux plus. Comme une masse. Louise, elle accouche. Elle accouche. Dans plus de 21 heures. Je t'en prie, Cassie. Merci. Bisous. Dans 21 heures à la couche, donc ça veut dire que comme ça, la prochaine fois qu'on revient, hop, on a le bébé qui arrive. Mais c'est pas tout, là, j'aurais juste voulu voir si elle était prête à me donner son amitié. Mais pas encore. Pas assez. Du coup, on finit notre petite toile, et après on va aller la coucher. Elle aura eu ses toiles ou pas? Ah non, on va peut-être faire deux petites toiles alors. Deux petites toiles et après on ira au dodo. Il faut bien se coucher de temps en temps. Regardez, comme mon Sims... Non, ils veulent pas se coucher, c'est un truc de ouf. Pourquoi tu vas pas dormir? Je t'ai dit de dormir. Allez, dépêche. Toile finite? Non. Toile finite. On vend galerie d'art. Faut que je finisse l'étoile, parce que sinon après je vais oublier. Oh, on va faire celle représentant un Sims. Je sais pas si ça gagne beaucoup d'argent. Réparer les griffes sur le lit. Oui. Tu crois que c'est de ça que c'est pour ça? Tu crois que c'est pour ça qu'ils veulent pas aller se coucher? C'est bizarre, hein. En plus, on les voit même pas. Mais Fanny, vas-y. On a presque fini. Elle est passée où, la mère des chatons? Ah bah, elle fait des petites fugues, je crois. Elle revient rapidement. Hop, tu vois, elle revient. Pas de panique, pas de panique. Vendre ça. Oui, 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 je vends. Pas de panique, on se calme. Pas de panique, on se calme. On se calme, et puis, bah voilà, c'est bon, ça y est, on est prêt. Fais-moi un petit repas, là. Prends des restes. Elle est toujours malade. Émotionnellement consciente. Parvenir au contrôle des émotions est un voyage. Vous avez franchi la première étape, mais accéder au contrôle total des émotions nécessite plus de moments lents passés à faire diverses activités méditatives. Ah, parce que tu as fait des... Ah bah oui, bah écoutez, c'est bien. Elle se sent bien, elle est heureuse. Elle est heureuse de vivre, elle est contente de son mari, elle est contente de ses chats, elle est contente d'avoir bientôt un bébé. C'est quoi le challenge? C'est la place du marché. Je sais pas si tu connais. Et en fait, on a hérité d'une bâtisse qui a plusieurs niveaux. Et toutes les pièces sont bloquées. On débloque les pièces les unes après les autres en augmentant l'aspiration, les compétences, le mariage, etc. etc. Et pour le moment, on a juste débloqué en fait toute cette partie-là. On avance petit à petit. Mais c'est surtout qu'on va s'arrêter maintenant. Voilà, voilà. On sauvegarde. Parce qu'en plus, elle a décidé de... Elle est contente de sa toile Vanouche. Vachoune.
Kima Sims, tu crois? Ah, c'est ça? Elle est émerveillée parce qu'elle a fait sa petite toile vachoune? Tu crois que c'est ça, vraiment? Moi, je crois pas. C'était ça, la toile représentant la Sims? Mais non, en fait, c'est le truc qui vient avec Sims à la fac. Oui, là, non, là, c'était pas une photo, là. Non. Ma Sims peint une toile plante vache. Mais non. Ah, ça y est, vous allez faire la collection. Je t'en prie, Fanny. Gros bisous à toi. Bonne nuit à toi aussi. La chance. Mais non. J'espère qu'elle sera pas aussi belle que la mienne d'abord. Parce que la mienne, elle est trop belle. La mienne, c'est la plus belle. Bisous, Nika. Bah écoutez, ce fut fort fun. Oh. C'est moi qui l'ai fait. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Ce fut fort fun. Et je vais vous abandonner là-dessus. Alice Souche, bonne nuit à toi aussi. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, un bon dimanche. Et puis du coup, bah, c'est bien. Bah, écoutez, peut-être qu'on verra à se faire des Maïta Mad Portia. J'avais aussi le truc de faire mes petits relookings de Sims avec les ugly que vous m'avez partagés. Tu sais, d'ailleurs, j'ai pas regardé. Je voulais voir ma bibliothèque. Ah non, galerie. Se connecter. Bah oui, chérie, connecte-toi. C'est beaucoup mieux quand même. Ça marche beaucoup mieux quand on fait ce genre de choses. Et donc, normalement, c'est ugly my... Non, pas du tout comme ça. My... bah, voilà. Ugly my NG. Ah ouais! Il y a du beau Sims, hein. Ouh là là. Il y a des trucs vraiment très très moches. Oh mon dieu. Mac, c'est moche. Mochard. Ah bah ouais. Porte bien son nom, celle-là. Voilà, et du coup, j'ai... Il y a des... Qu'est-ce qu'il dit, Alexandre? Il dit, ma ugly devrait te plaire. Alexandre. Mais je sais même plus, tu es où? Tu es où, Alexandre? Azerty! Ah ouais, elle me plaît drôlement. Elle est drôlement très très belle. Elle est drôlement très très belle. Garout. Ouais, ouais. Il va y avoir du boulot, tu m'étonnes. Donc il y avait ça aussi, ouais. Donc voilà, je sais pas, on verra comment ça va au feeling et tout ça. Voilà, voilà, vous voyez bien vos croûtes. Johanna, bonne soirée à toi aussi, bisous. Mais je vous fais à tous des gros bisous. Et puis merci beaucoup pour cette... Merci à tous. Ah, oh chérie, vous m'aimez. Vous m'aimez, chérie. Ah, ah, ah.